Alors, je salue le colonel Julien Jameau, commandant de la section de recherche de Strasbourg, qui va nous rejoindre dans un instant. Monsieur le délégué de la préfète, cher Jean-Marc Kiffer. Monsieur Philippe de Coster, président de la cellule de traitement des informations financières de Belgique, qui est avocat général près la Cour de cassation. Monsieur le directeur de l'équipe de recherche droit des affaires au sein de l'UMR Dresse et le centre de recherche qui héberge le CEFAC. J'aime, cher Jérôme Lassarre-Capdeville, qui a dû nous quitter. Chère Madame Alexandre, merci d'être parmi nous. Chers collègues, chers auditeurs, cher Rodrigue Galani, responsable de la médiation et des projets numériques à l'Université de Strasbourg. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à ce colloque organisé conjointement par le CEFAC, le Collège européen des investigations financières et de l'analyse financière criminelle, et le Centre numérique de l'Université de Strasbourg. Alors, le thème qui nous réunit aujourd'hui, cyberattaque, tous concernés, est d'une très grande actualité. Pas plus tard que ce matin, nous avons appris en effet que des milliers de documents en lien avec la tuerie de Charlie Hebdo et l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty circulaient sur le Darknet parce qu'un cabinet d'avocats avait été victime d'une cyberattaque par rongiciel au mois de juin dernier. Les criminels réclament aujourd'hui 100 000 $ pour récupérer le 1 300 000 documents volés. Alors cet acte est d'autant plus inquiétant que les serveurs du cabinet d'avocats sont hébergés dans des data centers dotés de toutes les certifications adéquates, selon eux. Alors depuis la création du CEFAC, il y a plus de 8 ans, nous avons toujours eu à cœur de partager avec le grand public les avancées en matière de lutte contre la criminalité organisée en Europe. Le cycle de colloques consacré à la cybercriminalité a ainsi permis de mieux faire comprendre les mécanismes de cette forme de criminalité de plus en plus impactante et les réponses apportées par les autorités à l'échelle nationale, européenne et internationale, à la fois dans le domaine de la prévention, dans celui de la répression et bien sûr dans l'aide aux victimes. Alors je me réjouis de cette co-organisation avec le Centre de culture numérique de l'Université de Strasbourg, cher Rodrigue Galani, parce qu'elle permet de créer des synergies au sein de l'Université de Strasbourg, dans l'intérêt bien sûr de toutes et de tous. Pour lutter contre les cyberattaques, la prévention est indispensable pour développer une culture de la vigilance chez tous les utilisateurs des outils numériques, y compris les petites entreprises, parce que personne n'est à l'abri. C'est ce que nous verrons au cours de la première table ronde, au cours de laquelle nous aborderons la sensibilisation, la prévention, l'aide aux victimes. Nous accueillerons à distance Laurent Verdier, officier de police, qui a rejoint le dispositif cybermalveillance.gouv.fr en septembre 2020, en tant que chargé de mission pour contribuer à l'animation et au développement de la sensibilisation des publics au risque cyber. Laurent Verdier a mis à profit son expertise en matière de cybercriminalité et son expérience qu'il a acquise dans ce domaine depuis 2002 à la brigade d'enquête sur les fraudes et aux technologies de l'information de la préfecture de police, à la direction centrale du renseignement intérieur, puis au sein du centre de cyberdéfense. Ici présent avec nous, Selim Alexandre Arad, délégué à la protection des données de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg. Monsieur Arad est juriste et politiste de formation. Il est titulaire d'un master de droit de l'économie numérique. Il est spécialisé de l'Université de Strasbourg, hein, si je ne me trompe pas. Ah, voilà, il est à côté. Il est spécialisé dans le numérique et les nouvelles technologies, et en particulier
en particulier. Il s'intéresse à la robotique, à l'intelligence artificielle, à la cybersécurité, à la cryptologie, dont les effets sur nos sociétés poussent à un constant renouvellement des rapports sociaux, juridiques, économiques et environnementaux. Vanessa Cornevin est animatrice formatrice numérique à Emmaüs Connect à Strasbourg. Après l'obtention d'un master en télévision et culture cross-média, Vanessa Cornevin débute une carrière à l'international, partagée entre les médias et l'accompagnement social auprès de différents publics. Elle est passionnée par les mondes numériques. Elle œuvre désormais pour l'inclusion par le numérique chez Emmaüs Connect. La seconde table ronde sera consacrée aux différentes menaces, à la manière de s'en prémunir et aux modalités de la répression. Nous aurons le plaisir d'accueillir Sébastien Dupont, Sébastien sans lequel le CEFAC n'aurait pas pu voir le jour, je me permets de le dire parce que c'est vrai. Sébastien est ingénieur informaticien de formation. Il a créé et mis en place toute l'architecture de la référothèque du CEFAC. Il est professeur d'informatique, spécialisé en cybersécurité et il intervient également dans les masters compliance officer et investigation financière à l'échelle européenne que j'ai l'honneur de diriger également. Nous accueillerons également Philippe de Coster, qui est avocat général au parquet près la Cour de cassation de Belgique. Il préside la cellule de renseignement de traitement des informations financières, la CETIF, qui est l'équivalent de TRACFIN, qui la cellule de traitement des informations financières en France, pour celles et ceux qui connaissent. Last but not least, Elena Valero, qui est adjudante de la section de recherche de Strasbourg au sein de la Gendarmerie nationale et qui est une grande spécialiste des investigations informatiques. Voilà, je remercie vraiment toutes celles et ceux pour votre participation, celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de ce colloque et particulièrement les chevilles ouvrières que sont Émilie Ehrengart et Audrey Bordonnet. Je vous remercie beaucoup. Eh bien, merci Chantal de nous avoir accueillis et d'avoir accepté aussi de nous laisser collaborer avec vous à cette manifestation. Évidemment, Émilie et Audrey ont beaucoup fait pour cette organisation. Moi, ce que je voudrais vous donner en deux minutes, je vais être très bref, après on laissera la parole aux spécialistes, c'est vous donner notre éclairage, l'éclairage qu'on peut avoir de notre point de vue au Centre de culture numérique. Pourquoi cet éclairage? D'abord parce qu'il va vous permettre de trouver peut-être du lien entre les différentes interventions et pour nous connaître aussi un petit peu. Ça fait en avril prochain, ça fera 10 ans. Ça fera 10 ans que le Centre de culture numérique existe à l'Université de Strasbourg. Et ça fait autant d'années que nous essayons de sensibiliser, d'informer et de former aux usages du numérique. Durant ces 10 ans, à travers les ateliers, des enquêtes, à travers les manifestations qu'on a pu organiser avec différents partenaires, on a pu observer un certain nombre d'éléments. Je vais le faire en trois points rapidement. Le premier, c'est qu'en 10 ans, si vous essayez de revenir à ce que vous faisiez avec vos appareils il y a 10 ans, vous avez vu que les usages du numérique se sont diversifiés, pas seulement d'un point de vue privé, mais aussi d'un point de vue professionnel. De plus en plus de gens sont amenés dans leur travail, quel que soit leur travail, à enregistrer des données, à utiliser ces données, à accéder à des bases de données. Et on est passé donc d'un monde où on avait essentiellement des gens qui avaient une application métier, certes, sur laquelle ils travaillaient, mais d'un monde plutôt d'experts ou de technophiles vers monsieur tout le monde.
Ça, c'est le premier point. Tout le monde stocke des données quelque part. Le deuxième point, c'est que avec cette dissémination, on s'est donc retrouvé avec, au niveau professionnel en particulier, des personnes, des individus, qui ont eu à traiter des choses, mais qui n'ont pas été formés. Dans les petites entreprises ou dans les plus grandes, il n'y a pas, tout le monde n'a pas nécessairement à portée de main quelqu'un qui est là pour vous former à. Dans les collèges, dans les lycées et même à l'université, il n'y a pas d'UE sur les usages du numérique, sur la sécurité, sur enfin toutes ces choses qui ont envahi finalement tous les domaines de notre vie. La santé, l'éducation, le commerce en ligne. Les questions de compte que vous créez sur une plateforme quelconque à l'autre bout du monde, tout ça, il n'y a personne qui vous a formé pour ça, vous êtes formé tout seul. Et sans cette formation générale, on arrive au troisième point, c'est que ces mêmes personnes qui ont à traiter des données ou à créer des fichiers dans les entreprises, dans les établissements publics, ces mêmes personnes qui n'ont du coup pas été formées pour ça, ces mêmes personnes subissent quelque chose qui s'est développé à la vitesse grand V surtout ces 10 dernières années, et on l'a encore vu il y a un instant, grâce à Chantal Cutajar, mais des cas, vous en avez entendu parler à la télévision par centaines, les menaces se sont multipliées, elles, mais de manière très, très, très rapide. Essayez de vous souvenir, il y a 10 ans, combien de personnes connaissiez-vous autour de vous qui s'étaient fait pirater leur ordinateur, leur compte ou quoi que ce soit d'autre, hein. Peut-être en connaissiez-vous, mais pas beaucoup. Aujourd'hui, tout le monde en connaît quelqu'un. On reçoit tous les jours des tentatives de phishing. On reçoit tous les jours des mails frauduleux de différentes sortes. Y a vraiment une croissance exponentielle du phénomène. Et je pense que les intervenants préciseront ça avec des chiffres. En dehors de ça, il y a aussi, je parlais d'éducation au numérique, on va en parler dans un instant, puisque notre collègue d'Emmaüs Connect vous donnera certainement des éléments de réflexion là-dessus. Il y a une partie énorme de la population qui n'a aucune formation, aucune compétence en numérique, ou qui n'a pas accès à ces compétences. Alors, je conclurai en disant que, en exagérant un petit peu, que derrière chaque écran, du coup, il y a un risque. Et heureusement, depuis 3-4 ans, les différents établissements, différentes associations, mais aussi des organismes publics, ont commencé à réfléchir et à mettre en place des choses. On va parler de cybermalveillance dans une seconde. C'est pas si vieux. Des réseaux comme ceux que montre l'Eurométropole avec Emmaüs Connect et d'autres pour réduire la fracture numérique, c'est récent. Ça fait que très peu d'années où on commence à s'intéresser à l'éducation au numérique de Monsieur Tout-le-Monde, mais Monsieur Tout-le-Monde a une profession généralement, donc il est aussi derrière un bureau quelque part à un moment donné, et ça va augmenter avec la question du télétravail qui est de plus en plus fréquente et ça va pas s'arrêter là. Donc, heureusement, il y a aussi des manifestations comme celle-ci et avec des intervenants que vous allez entendre, j'espère que vous en tirez bénéfice et n'hésitez pas à aller vous renseigner effectivement sur le site de Supermalveillance, mais aussi de la CNIL, des DECNUM, de l'Eurométropole, prendre contact avec des associations. Il y a vraiment de quoi se former et il n'y a vraiment pas de frein à l'éducation numérique, même si on se croit très bien formé. Donc je remercie les intervenants et je leur laisse la parole. Tout d'abord, je voudrais remercier très chaleureusement le CEFAC et l'Université de Strasbourg
de nous avoir invités à cette manifestation où rien qu'au niveau des introductions de grande qualité que je viens d'entendre, notre présence et j'espère les explications, les problématiques que je vais évoquer avec vous sont complètement justifiées. Et tout particulièrement donc Madame Émilie Ehrengart et le lieutenant-colonel Thierry Lang, pardon, qui m'ont accueilli et accompagné en matière de réglage technique et de suivi. Voilà, merci à eux et merci. C'est pour nous un honneur et un privilège d'intervenir aujourd'hui au sein de cette enceinte. Je vais partager mon écran. Vous me dites si la technique suit. C'est en train de venir normalement. Voilà, c'est bon. Très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Laurent Verdier, commandant de police. Comme ça a été dit précédemment, j'ai œuvré une quinzaine d'années dans le domaine de la cybercriminalité judiciaire jusqu'à occuper un poste très, très intéressant dans la carrière d'un officier de police, celui d'officier de liaison au sein du Centre de cyberdéfense de l'ANSSI, donc de l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, pour faire le lien opérationnel entre cette agence et les opérations de cyberdéfense qu'elle menait et qu'elle mène toujours, et les services du ministère de l'Intérieur qui étaient concernés au niveau judiciaire ou informationnel. Donc pour moi, je le répète, c'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter le dispositif national de sensibilisation, de prévention et d'assistance aux victimes de cybermalveillance. Concrètement, il s'agit d'un groupement d'intérêt public, le GIP ACIMA, Action contre la cybermalveillance, qui aujourd'hui est chargé d'opérer la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Et comme vous l'avez très bien dit en introduction, nous sommes une jeune structure, puisque nous avons été initiés au travers de la stratégie nationale pour la sécurité du numérique en 2015 et après un an et demi d'incubation au sein de l'ANSSI, donc je le rappelle, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information en copilotage avec le ministère de l'Intérieur, nous sommes nés par un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, Justice, Finances également à l'époque, qui ont ratifié notre convention constitutive chargée donc d'établir, de mettre en place un guichet unique, une passerelle chargée de trois missions fondamentales qui manquaient à l'époque. La première, fournir une assistance immédiate, concrète, pratique, dans un langage intelligible, à l'ensemble de nos publics, à savoir les particuliers, les PME, les TPE et les petites collectivités territoriales quand ceux-ci étaient victimes d'une cybermalveillance. La seconde, concevoir et mettre à disposition de ces publics deux types de livrables. Le premier, des articles et des informations sur l'actualité des menaces et notamment les menaces jugées émergentes. Et dans un deuxième temps, produire également des contenus et des supports destinés à aider en matière de sensibilisation. Et enfin, troisième mission capitale, observer la menace pour mieux anticiper le risque numérique en capitalisant sur tous les parcours d'assistance victime réalisés au niveau de la plateforme et également en partenariat avec nos membres, de manière à consolider ces éléments, à les remonter à nos autorités afin de mieux orienter les politiques publiques dans ce domaine. Alors concrètement, c'est la forme flexible d'un groupement d'intérêt public associant les pouvoirs publics, nos prestataires référencés, nos prestataires informatiques référencés, et j'expliquerai plus tard de quoi il s'agit, la société civile également, au travers des associations de défense des consommateurs, des associations de défense des internautes, mais également des clubs de la sécurité, comme le CESIN ou le CLUSIF, et enfin, quatrième collège, celui des offreurs de services et de solutions, qui regroupait à l'origine, il est vrai, à l'image d'une structure comme Orange Cyberdéfense, des entités majoritairement issues
de l'écosystème de la cybersécurité en France, mais qui s'est élargi. Et c'est là où nous en sommes très, très fiers et très contents, pour la bonne et simple raison que nous avons intégré des groupes comme la MAIF, comme le groupe La Poste et plus récemment la SNCF, qui viennent nous enrichir avec leur métier, leur connaissance métier, leur culture, leur propre culture de la cybersécurité. Et ces quatre collèges donc participent à la gouvernance du GIP. Cybermalveillance.gouv.fr, en quelques chiffres, après 4 ans d'existence, puisque le lancement officiel a eu lieu en octobre 2017, donc nous venons de fêter nos 4 ans, ce sont donc 53 membres, comme je l'ai dit, qui participent à nos actions et à nos productions. Ce sont plus de 1200 prestataires référencés en matière informatique répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain. Ce sont, après 4 ans d'existence, plus de 350 000 victimes assistées concrètement à qui nous avons apporté une solution, des recommandations ou encore la mise en relation avec un prestataire informatique référencé. Et enfin, nous en sommes très fiers, plus de 47 cybermalveillances inventoriés, identifiés. Alors, non pas pour constituer une liste à la Prévert, mais tout simplement pour optimiser et pour améliorer notre parcours d'assistance victime, sachant que l'ensemble de ces cybermalveillances sont associées à plus de 400 conseils, recommandations et propositions d'orientation pour une victime qui, rappelons-le, quand elle fait appel à nos services, et en général dans un état, et c'est légitime, proche de la panique, du stress, qui ne comprend pas ce qui s'est passé et qu'il faut donc accueillir et diriger et orienter et aider comme il se doit. Voilà, une petite diapo destinée à rendre à nos membres. C'est important parce que non seulement nous les sollicitons très régulièrement au travers de différents groupes de travail, j'évoquerai tout à l'heure le kit de sensibilisation ainsi que le label expert cyber, ce sont des choses que nous avons réussi à lancer grâce à nos membres qui nous soutiennent donc au travers de ces groupes de travail, mais également dans le cadre de nos différentes campagnes de sensibilisation. Le parcours victime sur cybermalveillance.gouv.fr, donc je le rappelle, c'est vraiment la mission capitale, primordiale d'assistance en termes de modèle. À ma connaissance, en tout cas, c'est unique en Europe, si ce n'est au monde, un organisme gouvernemental qui propose à ses concitoyens une aide intégralement en ligne destinée à identifier une cybermalveillance, à lui fournir un ensemble de recommandations et, si elle le souhaite, à être mise en relation avec un prestataire informatique référencé sur la plateforme. Et c'est un modèle qui fonctionne bien, puisque je vous l'ai dit, nous sommes donc aujourd'hui à plus de 350 000 parcours d'assistance victime, 105 000 pour la seule année 2020, qui a été une année exceptionnelle, et j'y reviendrai, notamment dû au confinement provoqué directement issu de la crise sanitaire, avec une amplification sans précédent de nos activités numériques, qu'il s'agisse d'activités personnelles ou professionnelles, et derrière, bien entendu, une augmentation encore jamais vue en matière d'attaques cyber. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ces attaques ont perduré, puisque pour la seule année 2021, au moment où je vous parle, nous sommes à plus de 130 000 parcours d'assistance victime, donc nous avons déjà dépassé le volume de 2020, donc je le rappelle, pour les particuliers, pour les PME, les TPE et les petites collectivités territoriales. Pour ce parcours victime est donc intégralement en ligne. Il se découpe, pour être très macro, en 3 paliers. Le premier et le plus important, ça va être d'aider la victime quand elle l'ignore, et c'est dans 80% des cas qu'elle l'ignore, de par quoi elle a été impactée, donc avec un petit jeu de questions-réponses non techniques, et j'insiste sur ce thème, je le répéterai au fil de cette table ronde, tous nos contenus sont résolument, et c'est un parti pris que nous tenons aujourd'hui, non technique et accessible à tous. Donc à partir de ce petit questionnaire, on va enfin poser un nom sur ce qui s'est passé. Deuxième palier, on va proposer à la victime un ensemble de conseils, comment réagir, quels sont les premiers gestes à faire quand on est ciblé par cette attaque précise, des recommandations, des propositions d'orientation si besoin vers des plateformes dédiées en matière de signalement ou de contact avec des enquêteurs. Si je vous parle effectivement de la plateforme internetsignalement.gouv.fr, qui est la plateforme Pharos opérée par la Direction centrale de la police judiciaire, ou encore
la brigade numérique de la gendarmerie nationale ou encore la plateforme Perceval pour tout ce qui est fraude aux moyens de paiement, également opérée par la gendarmerie nationale, si je vous parle de signal spam, si je vous parle de net écoute opérée par notre membre, l'association e-enfance, spécialisée donc dans toutes les affaires de harcèlement, notamment vis-à-vis des mineurs. Voilà, donc c'est un exemple de propositions d'orientation vers des plateformes spécifiques, spécialisées, qui vont pouvoir accueillir au mieux la victime. Et enfin, troisième palier, très important également, parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir un beau-frère informaticien, la proposition d'être mis en relation avec l'un de nos 1200 prestataires informatiques référencés, répartis sur l'ensemble du territoire, parce que nous sommes partis du principe que monsieur, madame, tout le monde, ou le chef d'une petite entreprise ou d'une petite association, avait, si, en tout cas, cette victime avait besoin d'une réparation, d'une désinfection de son système, d'une réparation des effets de bord causés par la cybermalveillance, elle devait trouver ce service à proximité de son domicile ou de son siège. Donc, il s'agit d'une transaction tout à fait normale, c'est-à-dire payante. Je préfère le dire ici parce que souvent, on peut imaginer que c'est la plateforme qui l'offre à ses victimes, mais non. Nous ne nous substituons pas à une transaction commerciale traditionnelle. Simplement, nous permettons à la victime de rentrer très rapidement, parce que le délai moyen est de moins d'une heure, avec un prestataire informatique qui a signé une charte de qualité sur la plateforme en matière d'accueil, de prise en compte, de transparence des opérations, de sensibilisation et d'orientation éventuelle vers un commissariat ou une brigade de gendarmerie si le besoin était mis par la victime. Et derrière, donc, la remédiation, la réponse à incident peut être opérée au cours d'une transaction tout à fait normale. Et enfin, dernier temps, et pour nous qui est très important, les remontées de satisfaction de la part de la victime et les remontées techniques anonymisées qui sont réalisées par nos prestataires référencés. 2020 a été une année exceptionnelle, vous le savez bien. Cette année a vu une augmentation sans précédent des attaques et surtout de nos habitudes et de nos activités numériques. Alors, nous découpons en gros ces tendances en fonction de nos publics. Donc, pour les particuliers, la première cause de cybermalveillance, et vous l'aurez deviné, ce sont les faits d'hameçonnage, le phishing en anglais. Il s'agit simplement de mails qui semblent provenir d'un émetteur régulier, légitime, mais qui en fait ont été construit de toutes pièces par des attaquants de manière à imiter au mieux et à vous faire croire que l'émetteur est légitime afin d'obtenir soit un identifiant et un mot de passe, soit de vous faire cliquer sur un lien malveillant pour vous faire télécharger un programme qui va infecter votre ordinateur ou votre réseau domestique, ou alors encore vous faire transmettre des documents importants, administratifs, qui vont permettre aux pirates, derrière, de procéder à des usurpations d'identité. Deuxième menace pour les particuliers, tout ce qui est accès illégitime à des boîtes de messagerie, à des comptes de réseaux sociaux, ou encore à des comptes bancaires en ligne. Malheureusement, nous stockons de plus en plus de choses importantes sur ces espaces que nous protégeons avec des mots de passe souvent trop simples ou identiques pour plusieurs services et qui sont malheureusement facilement devinables par les attaquants. Et enfin, troisième menace pour les particuliers, une arnaque que vous devez sans doute pour la plupart connaître, l'arnaque dite aux faux supports techniques. Le principe est simple, une fenêtre très anxiogène vous indique que votre système d'exploitation, en l'occurrence Windows, a été infecté ou a été attaqué par des pirates et vous propose d'appeler une pseudo-ligne de service après-vente mise en place par Microsoft. L'appel étant gratuit, je vous rassure, les opérations de pseudo-dépannage qui n'ont rien de réel ne vont pas, elles, le rester longtemps gratuites. Et là, on s'est rendu compte qu'effectivement, ce type d'arnaque qui avait énormément marché en 2019, dès le déclenchement de la crise sanitaire et donc des confinements qui ont suivi, a été ressorti par les attaquants avec des variantes, mais fait très très mal globalement, notamment vis-à-vis de nos seniors. Côté professionnel, entreprise, collectivité, qui pour la seule année 2020 représente environ 12% à 13% de nos publics et des recherches d'assistance. La première menace, je ne vous apprends rien, est celle des rançongiciels, donc des ransomware en anglais, ces programmes qui vont chiffrer l'intégralité de vos données
contenu soit en local sur les disques durs des ordinateurs, soit en réseau. Et malheureusement, parmi celles qui sont stockées en réseau, parfois les sauvegardes, et qui vont vous proposer une mise au clair de ces données contre le paiement d'une rançon. Sixième menace en 2019, première menace en 2020. Une chose est sûre, les attaquants s'attaquent aujourd'hui, s'en prennent à des victimes solvables, en l'occurrence des publics professionnels, qui ont tout à perdre si jamais ils n'ont plus accès à leurs données. Seconde menace, le piratage informatique, donc l'accès illégitime au système d'information. Et enfin, troisième menace, le piratage de compte. On l'a vu pour les particuliers avec des boîtes de messagerie sur lesquelles nous stockons de plus en plus d'éléments importants. Et quatrième menace, important aussi, l'hameçonnage. Je vous rappelle qu'il est en premier chez les particuliers. Alors face à ça, on a deux solutions, soit pratiquer la autruche et se dire j'ai peur, ou alors essayer de proposer à nos publics des alertes, des contenus adaptés. Parmi ceux que nous avons mis en place, bon, des alertes notamment sur nos réseaux sociaux, plus de 40 alertes pour nos publics en 2020, des guides que nous avons élaborés pour le premier avec BPI France, destinés aux dirigeants de PME, de TPE et de TI, de manière à leur faire mieux saisir le risque numérique, les différentes menaces les plus courantes et surtout comment réagir en cas d'attaque, des guides également destinés aux petites collectivités territoriales et enfin avec des organisations comme CCI, le MEDEF, CPME, les chambres des métiers de l'artisanat et l'UDP qui est l'Union professionnelle des commerçants de proximité. On a mis en place le dispositif Alerte Cyber en partenariat technique avec l'ANSSI de manière à alerter tous les adhérents de ces organisations dans le cas de vulnérabilités exploitables grand public et pour lesquelles des mises à jour sont mises à disposition par les éditeurs. Nous avons émis notre première alerte il y a 15 jours concernant des vulnérabilités de sécurité liées au système d'exploitation embarqué sur les téléphones Apple. Autre axe que nous développons, la sensibilisation à destination des élus dans l'objectif de les sensibiliser aux risques numériques et de partager surtout avec eux les bonnes pratiques en matière d'hygiène informatique. Donc cette campagne s'est développée courant 2020 en trois volets. Répondre aux questions de certains élus par rapport à la nature de menaces, donner des exemples concrets de collectivités qui ont été attaquées et enfin, troisième volet, mettre un petit peu sous les spotlights et féliciter des collectivités qui avaient fait des efforts en matière de sensibilisation ou de montée en compétences dans le domaine de la cybersécurité. Enfin, dispositif que nous avons très récemment mis en place en partenariat avec le ministère de l'Intérieur et plus particulièrement la Direction générale de la Gendarmerie nationale, pardon, avec également l'AMF, donc l'Association des maires de France. Le principe est très simple, l'AMF a envoyé à tous ses adhérents un petit questionnaire composé sur 9 questions auxquelles doit répondre l'élu. Première option, il y a plus de vert, toutes les réponses sont vertes, donc favorables, l'élu peut estimer qu'il a atteint un certain degré de maturité dans le domaine de la cybersécurité. Et au contraire, si jamais il y a plus de rouge, il est invité à contacter la brigade de gendarmerie la plus proche de sa commune afin de pouvoir bénéficier d'une demi-journée ou d'une journée de sensibilisation par un référent sûreté, un référent sécurité économique ou un NTEC, qui est donc un enquêteur spécialisé dans la gendarmerie nationale, avec bien entendu les conseils, les recommandations et les outils de cybermalveillance.gouv.fr. Enfin, le label Expert Cyber, c'est ce que nous avons développé et lancé le 18 février dernier, le jour des annonces du président de la République concernant le plan France Relance. Il s'agit simplement de compléter utilement le réseau de nos référencés, entre guillemets, de nos prestataires référencés sur la plateforme, avec, pour le coup, une expertise reconnue et qui aura fait l'objet d'un audit par l'AFNOR, sur des activités qui sont plus larges que la réponse à incident et qui englobent aujourd'hui l'installation et la maintenance dans le domaine de la cybersécurité. Et bien entendu, ce label de confiance est destiné à des publics professionnels,
TPE, PME, association et toujours petite collectivité. Donc, ce label a vraiment pour objectif principal d'améliorer l'accompagnement par des professionnels de confiance et améliorer la lisibilité, surtout dans l'offre et dans la démarche de gagner en maturité en matière de cybersécurité. Et pour le coup, ça implique à notre niveau, au niveau de la plateforme, la création d'un parcours de sécurisation réservé à nos publics professionnels qui s'ajoute au parcours de recherche d'assistance ouvert à tous nos publics par le biais de ce parcours de sécurisation. Et avant même d'être victime d'une cyberattaque, un professionnel peut venir faire un diagnostic par rapport à ce qu'il souhaiterait mettre en place en termes de cybersécurité et être mis en relation, s'il le souhaite, avec l'un de nos 140 labellisés experts cyber, aujourd'hui répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain. Un petit rappel des bonnes pratiques qui figurent essentiellement dans notre kit de sensibilisation. On y reviendra au fil, bien sûr, de ce colloque, j'en suis certain. Donc, je vais passer très rapidement pour respecter mon temps de parole. Adopter une politique de gestion des mots de passe, c'est très important. Ce sont les clés qui assurent la sécurité de nos espaces numériques en ligne. La maîtrise de l'information, on ne dit pas de réseaux sociaux, on dit simplement des réseaux sociaux, en sachant à qui on envoie l'information et en filtrant au besoin. La sécurité des appareils nomades, mobiles, on commence aujourd'hui à avoir une culture de sécuriser nos ordinateurs de bureau, nos ordinateurs portables, mais nous devons encore progresser en y intégrant les tablettes, les téléphones portables que nous avons en permanence sur nous et avec lesquels nous sommes très exigeants en termes d'hyperconnectivité et en termes de nomadisme. Sans oublier l'importance des sauvegardes, régulière sur des supports adaptés, en testant bien entendu les opérations de restauration et en les déconnectant du réseau, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Les rançongiciels peuvent également les chiffrer si elles sont au réseau. Importance des mises à jour, en privilégiant bien entendu les mises à jour de sécurité sur les magasins officiels des éditeurs, à bannir tous les marchés alternatifs qui risquent de vous faire télécharger des mises à jour qui en fait n'en seraient pas et permettraient aux pirates d'accéder à vos systèmes. Et enfin, très important, la différenciation des usages. Distinguer les usages pro des usages perso. Je n'agis pas avec mon téléphone ou avec mon ordinateur portable pro comme je le ferais avec mes matériels et mes connexions personnelles. Quoique l'idéal, et nous en sommes convaincus à Cibam L'Alliance GouFR, c'est de convaincre également le citoyen et l'employé. Voilà, pour résumer à l'extrême, l'essentiel des gestes en matière de sécurité numérique, on peut y rajouter bien entendu l'antivirus, mais le plus important à notre niveau est la composante humaine, comportementale qui est au centre du cercle. L'humain est aujourd'hui majoritairement ciblé par les attaques qui peuvent parfois contourner des dispositifs techniques. Et c'est aussi sur l'humain que nous devons travailler en le responsabilisant et en faisant de lui la brique essentielle et complémentaire et indispensable d'une sécurité globale. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous invite à venir sur le site cybermalveillance.gouv.fr pour télécharger l'intégralité de nos supports, dont certains sont au format libre et ouvert, de manière à ce que vous puissiez rajouter le logo, par exemple, de votre entité, vidéo, kit de sensibilisation, matériel de sensibilisation pour les enfants, newsletter, article sur l'actualité de la menace. Je vous remercie et je reste à votre entière disposition pour toute question concernant ce que je viens d'évoquer. Merci, Émilie. Je commencerai, Madame la Directrice, cher Chantal Cutajar, cher Rodrigue Galani, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. En premier lieu, mes remerciements au CEFAC et au Centre de Culture Numérique de l'Université de Strasbourg pour leur invitation et leur volonté de conjuguer prévention, enquête et traitement judiciaire d'un phénomène. Nul besoin de rappeler les chiffres de Laurent Verdier qui est omniprésent et sur lesquels effectivement l'humain est au cœur de nos préoccupations. Donc, l'objet de mon intervention aujourd'hui, c'est de vous faire un retour d'expérience en qualité de délégué à la protection des données d'une collectivité territoriale. Alors, peut-être avant même de vous faire ce retour d'expérience, déjà, qu'est-ce qu'un délégué à la protection des données ? S'il fallait résumer cette fonction, il s'agit d'une personne qui est au sein de son organisme de rattachement, est chargée de veiller à ce que les données à caractère personnel
soient gérées de façon éthique et sécurisée. Et précisément, ces données à caractère personnel, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des informations qui vous identifient de façon directe, alors on dira de façon un peu triviale, ce qui saute aux yeux, tel le nom, le prénom ou la photo, mais aussi les données dites indirectes qui correspondent généralement à des numéros de matricule, des alias. Par exemple, dans la vie de tous les jours, vous auriez le numéro de sécurité sociale qui est un des plus parlants. Et l'ensemble de ces informations peuvent avoir un impact sur votre vie privée. Et c'est là tout l'enjeu aujourd'hui de s'adresser à ces sujets-là, puisqu'il faut voir ces données en fait comme des empreintes digitales. On en laisse partout, on touche plein d'objets sans forcément s'en rendre compte. Et c'est là tout l'enjeu de faire prendre conscience de ces empreintes pour pouvoir s'y adresser, puisque au-delà de veiller en fait à des données, ce sont des personnes que nous entendons protéger. Je me fonderai un petit peu sur cet adage latin, aditum nocendi perfido, praestat fides, je me permets de le refaire en français, la confiance en autrui qui donne au perfide l'occasion de nuire. Autrement dit, si nous faisons confiance à autrui quand nous lui confions des choses, la personne qui reçoit ces informations-là, quelle est l'intention qu'elle a derrière dans la réutilisation de ces informations-là ? Quoi de mieux qu'une ville pour illustrer ce propos, puisque en effet nous sommes la collectivité du quotidien, que ce soit dans le cadre de vos démarches auprès de l'État civil, je pense en premier lieu quand vous devez faire une carte d'identité, un passeport, etc. Cantine scolaire, service de l'eau, permis de construire, ou quand vous faites appel aux services de sécurité tels la police municipale de la ville, j'en passe, il y a beaucoup d'exemples, mais voilà, toutes ces actions-là entraînent de votre part la fourniture de données à caractère personnel et derrière, de notre côté, le traitement de celles-ci. Et pour en revenir donc à la fonction que j'occupe et surtout à son périmètre, j'officie comme DPD, donc délégué à la protection des données, mutualisé ou DPO, pour ceux qui préfèrent l'acronyme anglais de Data Protection Officer, auprès de l'Eurométropole, mais aussi des communes membres de celles-ci, donc en tout cas celles qui ont choisi d'adhérer à une mutualisation de services, ainsi que ces organismes satellites type CCAS, école de musique, et j'en passe. Ce qui fait aujourd'hui plusieurs dizaines d'organismes. Alors je vous rassure tout de suite, votre serviteur n'est pas tout seul. Fort heureusement, au-delà donc des membres qui composent mon équipe, en fait, une délégation à la protection des données, elle appartient à un continuum de la protection des données, prise au sens large du terme, puisqu'on ne parle pas forcément des données à caractère personnel, donc rattachées à un individu, mais aussi d'autres métiers comme le responsable de la sécurité des systèmes d'information, le RSSI, l'urbaniste SI, le déontologue, ou d'autres métiers travaillant au sein de l'audit et du contrôle interne. Voilà plein d'autres métiers cousins avec lesquels on participe en tout cas à cette protection des données. Mais bon, au-delà de vous partager donc ce périmètre qui est le mien, il faut toujours avoir en tête la cible à laquelle nous nous adressons. Et pour le coup, nous avons trois types de publics en réalité auxquels nous nous adressons. Le premier, le plus important, en termes au moins de taille et aussi de données gérées, c'est la population de l'aire eurométropolitaine, qu'elle soit résidente ou de passage d'ailleurs, puisqu'on pensera aux touristes aussi qui peuvent être usagers de nos services. Eh bien, la délégation à la protection des données joue un rôle de levier quant à la maîtrise de ces données que vous fournissez, et elle contribue donc, comme je vous l'expliquais plus tôt, donc d'assurer que ces données soient gérées de façon éthique et sécurisée par l'administration. La DPD, de ce point de vue-là aussi, contribue à monter en compétence, dans le sens elle s'adresse à ses publics pour faire valoir leurs droits informatiques et libertés, et aussi un rôle d'éducation populaire. Elle joue le rôle aussi de garde-fou démocratique, en tout cas dans les usages qui peuvent être faits de ces données-là. Mais bon, ce sera surtout l'objet de la deuxième partie de mon propos. Et enfin, notre action se veut inclusive. Donc, qu'est-ce qu'on entend par inclusif ? En tout cas, au-delà d'apporter du conseil, c'est de donner les outils aux personnes pour qu'elles-mêmes puissent s'emparer du sujet et justement savoir mieux gérer, mieux protéger leurs données par elles-mêmes, puisque c'est bien d'expliquer comment ça fonctionne, mais il faut aussi donner les clés de lecture pour qu'elles puissent, en toute autonomie, défendre aussi leur identité numérique. Deuxième public, le personnel, les personnes qui travaillent donc pour notre administration. Plusieurs volets dans notre action. Déjà rappelé que le RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données, qui est entré en vigueur en avril 2016 et en application en mai 2018, ce n'est pas une contrainte, mais une opportunité. J'entends par là que du point de vue de l'administration, c'est un gage d'efficience, puisqu'on cherche à améliorer des processus, prendre de la hauteur, c'est-à-dire se poser la question du sens de notre action, pourquoi on traite de ces données-là, est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces données pour cet objectif-là, et au final, mieux maîtriser nos activités. C'est donc un intérêt pour le travail de nos agents, mais aussi dans l'intérêt des citoyens. Deuxième volet, c'est bien évidemment, c'est
protéger les données, en tout cas dans le secteur public qui plus est, c'est aussi porteur de sens dans l'exercice d'une mission de service public. Et dernier lieu, ce sont aussi des personnes concernées par leurs propres données caractère personnel, ne serait-ce parce que, en tant que salarié, vis-à-vis de leur direction des ressources humaines, on est amené à traiter de tout un dossier professionnel tout au long de la vie. Ça peut être des données très classiques, mais ça peut être aussi en lien avec la santé des personnes. Et donc, notre rôle, c'est de s'assurer aussi que nos agents puissent bénéficier de leurs droits et que leur vie privée, quand ce n'est pas nécessaire, soit bien protégée de tout regard, en tout cas de ceux qui n'ont pas besoin d'en connaître. Et enfin, donc, dernier public, le corps électif, les élus. Effectivement, les élus, malgré leur vie publique, avec des jeux d'équilibre, notamment la liberté de l'information, la liberté de la presse et bien d'autres aspects que je n'évoquerai pas, ont aussi le droit à la protection de la vie privée et à la protection de leurs données à caractère personnel. Au-delà de cette thématique-là, je rappelle Strasbourg, en tant que capitale européenne, deuxième ville diplomatique après Paris en France, eh bien c'est un symbole fort de point de vue de la construction européenne, et donc on a un supplément, en tout cas c'est tout le sens de notre activité, un supplément d'exemplarité en matière d'application de ce texte européen qu'est le RGPD. On se veut aussi un gage de transparence, en tout cas dans l'usage qui est fait vis-à-vis des citoyens, d'une maîtrise des données, et au final, un des leviers de ce lien de confiance entre la population et son administration. Ce sont des éléments, à notre sens, qui sont constitutifs d'une démocratie, en tout cas saine. En dernier lieu, on est aussi force d'intégration et d'attractivité du territoire. J'entends par là, puisque je vous l'évoquais, j'ai un certain nombre d'organismes dont j'ai la responsabilité dans cette logique de mutualisation, mais c'est également, je pense, à nos partenaires et nos tiers avec qui nous sommes amenés à collaborer pour remplir nos missions, puisque on voit cela comme une sorte de, si vous me permettez cette expression, de Schengen de la donnée, puisque l'idée, c'est certes de la protéger, mais c'est aussi de la fluidifier dans cet espace sécurisé avec les mêmes règles du jeu. D'avoir ces mêmes règles du jeu, ça permet aussi une prévisibilité avec notamment les opérateurs économiques avec qui on travaille, puisqu'on a un certain nombre d'exigences que je n'évoquerai pas dans mon propos, mais en tout cas, voilà, par exemple, on veille à ce que les données soient situées sur le territoire de l'Union européenne et non pas dans des pays qui sortiraient de ce territoire-là. Voilà des exigences, parmi d'autres, que l'on peut poser auprès de nos partenaires économiques, dans le cadre des marchés publics notamment. S'il fallait résumer l'activité d'une délégation à la protection des données, en tout cas dans le secteur public, on répond à 5 piliers d'action. Le premier, donc, c'est que nous sommes gardiens des libertés et de la vie privée au sein de notre organisme, de par un positionnement fort et indépendant, puisque même si ce n'est pas un salarié protégé au sens du Code du travail, le délégué à la protection des données bénéficie de par les textes européens d'une protection dans le cadre de ses missions. Je ne peux pas être sanctionné dans l'exercice de mes missions et je dépends d'une lettre de mission fournie par ce qu'on appelle le responsable de traitement, la personne qui détermine les règles du jeu et qui représente l'organisme. Pour la ville, c'est Madame la maire. Pour l'Eurométropole, c'est Madame la présidente. Donc je réponds directement de ces deux autorités-là dans l'exercice de mes fonctions et je ne reçois pas d'instructions dans le cadre des préconisations que je suis amené à faire pour cette gestion éthique et sécurisée. Voilà, en tout cas, pour cette partie-là. Et bien évidemment, notre intérêt, c'est de veiller à ce que les données des usagers soient gérées de façon éthique, mais c'est toujours plusieurs parties prenantes dans toute une chaîne, puisque vous êtes amené à donner des données, nous sommes amenés à les gérer, et parfois, nous-mêmes, nous vous en confions. Donc nous, on doit veiller à ce qu'il y ait un équilibre, on a un rôle de pondération entre les intérêts de l'usager, les intérêts de l'administration et de ses agents. Deuxième pilier, nous sommes un carrefour des métiers et des besoins faisant appel à des compétences transverses. Bon. Une bien grande phrase qui veut dire concrètement que notre métier, les données à caractère personnel, si vous n'en gérez pas, c'est on va dire l'exception. C'est un peu comme l'air qu'on respire, on ne s'en rend pas compte, mais c'est omniprésent. Donc on s'adresse à des DRH, ça parle très bien en tout cas quand on est salarié. Ça peut être la direction de l'état civil, je révoque, la DSI, la direction de la culture, la communication, et j'en passe des meilleurs. Et compétences transverses, j'entends par là qu'on peut faire effectivement du conseil juridique, de l'accompagnement de projet, on peut faire également des actions de sensibilisation. Voilà, c'est un métier qui est assez protéiforme, de la gestion de risque, et notamment bon, dans les parties qu'on aime le moins, les violations de données, si c'est nécessaire. En tout cas, notre rôle, c'est de contribuer à une meilleure compréhension et une maîtrise des risques, et bien évidemment, d'accompagner la décision politique dans la mise en place d'un certain nombre de sujets. Je pense notamment à la crise sanitaire, quand il fallait distribuer les masques à la population. Comment on fait très concrètement?
Est-ce qu'on a des fichiers où on a toutes les adresses? Bah, ce n'est pas par défaut, on n'a pas accès à ce genre de fichiers. Donc comment aujourd'hui on arrive à permettre à la population d'accéder à des équipements de protection dans le cadre de la pandémie? Ça a été tout un travail de l'ensemble des collectivités, bien sûr en partenariat avec de nombreuses institutions, dont la Commission nationale informatique et liberté. Je voulais évoquer également donc troisième pilier, pivot de service public, donc auprès de la population, des partenaires et des entreprises. Quatrième pilier, motrice du changement et d'une culture informatique et liberté, puisqu'on se veut force de proposition, notamment en lien avec notre service innovation de la direction du numérique, puisqu'on accompagne sur tout ce qui est nouvelles technologies, que ce soit dans l'usage des mégadonnées, donc les big data ou autres, notamment dans les villes connectées. C'est un enjeu aujourd'hui pour les collectivités. Et aussi donc d'éducation populaire, je l'évoquerai par des exemples concrets en deuxième partie de mon propos. Et en dernier lieu, donc cinquième pilier, contributrice d'une démarche numériquement responsable, puisqu'il faut voir le RGPD parmi d'autres textes normatifs. C'est l'illustration en fait de la dimension éthique et normative du numérique responsable. Et en parlant de numérique responsable, le RGPD contribue aussi à un numérique plus sobre sur le plan environnemental. Je parle notamment du levier de minimisation des données, donc le nombre de données. Est-ce qu'on a besoin de toutes ces données-là? Pas forcément. Donc, conclusion, il faut les supprimer. C'est aussi une manière de contribuer au respect de l'environnement par les stockages de données. Voilà. Comme évoqué précédemment, la délégation elle a un rôle de guichet de service public. Et donc, dans ce cadre-là, on a pour mission de veiller à ce que les personnes usagères de nos services publics puissent faire application de leurs droits informatiques et libertés. Chaque année, donc, nous sommes amenés à faire un petit bilan du nombre de dossiers que nous recevons. Donc, pour l'Eurométropole, la ville et l'Eurométropole, donc c'est vraiment deux organismes et je ne parle pas des autres, ce sont plusieurs dizaines de dossiers par an, en tout cas pour l'année 2020, que nous avons été amenés à gérer. On a réparti cela en catégories d'exercices de droit. Les exercices de droit issus de la population, qui représentent l'essentiel pour 68%. Les exercices de droit des agents de l'Eurométropole par rapport à leurs dossiers, là, ça représente 6,5%. Les demandes de CNIL, bon, fort heureusement pour 2020, nous n'avons rien reçu de la part de la CNIL. Les demandes de l'administration, donc là, sont l'un des plus gros postes avec 23%. Et enfin, les demandes issues des tiers autorisés, ce qui peut être police-justice, administration fiscale ou autre organisme. Dans la typologie maintenant de droits qui sont exercés, essentiellement, on retrouve des droits d'accès, savoir quelles informations on a concrètement sur soi. Ça fait partie donc pour 37% des demandes que nous recevons. Et derrière, on arrive tout de suite, c'est pour 41% pour les droits d'accès. Et derrière, nous arrivons tout de suite à des demandes d'effacement. Alors, le droit à l'effacement, le droit à l'oubli, parfois on entend cette expression-là, est un des droits fournis par le RGPD, ou en tout cas renforcés par le RGPD. Ce n'est pas un droit absolu, c'est toujours un jeu d'équilibre, parce que par exemple, si vous ne souhaitez pas payer vos impôts, vous ne pouvez pas effacer votre taxe d'habitation. C'est un exemple parmi d'autres, mais voilà. En tout cas, ce sont des demandes que nous recevons assez fréquemment. Et bien évidemment, les droits de rectification, puisqu'il peut y avoir des erreurs, parfois ça va tout simplement sur le prénom, le nom-prénom, ou d'autres informations, vos coordonnées postales, téléphoniques, et j'en passe. Par souci d'honnêteté intellectuelle, je dirais que ça, c'est ce que nous voyons au sein directement de la délégation à la protection des données, mais c'est beaucoup plus large, puisqu'on a décidé de sous-traiter, mais c'est juste pour de l'efficience au final, tout ce qui est demande RH, parce que si vous changez d'adresse postale, de numéro de téléphone ou de numéro bancaire, bon, vous n'allez pas passer par la délégation, ça va faire une étape de plus et ça va être une perte de temps. Donc par exemple, ça, on le sous-traite, si je puis dire ainsi, à la DRH et l'état civil, tout ce qui concerne l'état civil. Aussi, nous le confions directement à cette direction-là. Bien évidemment, si ces droits ne sont pas respectés directement, on peut toujours être saisi en second lieu. À ce stade, en tout cas en 2021, on s'aperçoit que pour le troisième trimestre, on a eu une explosion des demandes. En tout cas, on a rapidement atteint le niveau de 2020, puisqu'on l'a dépassé, je crois, de 40 et quelques pourcents de mémoire, en tout cas à ce stade. Mais on a essayé de se poser la question de pourquoi ça fonctionnait comme ça. Est-ce que c'était lié à la crise sanitaire ou pas, ou si c'était le télétravail? Pas forcément, c'est tout simplement une meilleure connaissance déjà des textes. Généralement, ce sont des gens qui sont assez au fait de la protection des données, qui discutent dans le cadre associatif, institutionnel ou autre. Et aujourd'hui, au vu notamment des échos médiatiques, je pense qu'il y a quand même ce levier médiatique fort avec les nombreux scandales, je ne vais pas les citer, vous les connaissez aussi bien que moi, eh bien, les gens se posent la question tout simplement et ils commencent à nous saisir pour savoir comment on fait concrètement. Alors, je ne sais pas pour le secteur privé, mais en tout cas, dans le public, nous recevons de plus en plus de ce genre de demandes.
Voilà, en tout cas, au-delà de cette montée en puissance des saisines que nous recevons, comment la collectivité entend se positionner pour accompagner cette population et ses personnels à une meilleure hygiène informatique, si je puis dire? Eh bien, comme dit précédemment, on a un rôle de conduite du changement et d'éducation populaire. Alors, bien évidemment, suivant le type de population, on va adapter notre discours, on va être amené à sensibiliser à la protection des données, ne serait-ce que en adoptant un vocabulaire pour permettre aux gens de s'approprier le sujet et avoir les mêmes clés de lecture, et aussi de fournir des outils, alors d'abord physiques, j'en ai un certain nombre, alors généralement ça parle à la plupart, ne serait-ce que dans le cadre bancaire, des porte-cartes anti-RFID pour le paiement sans contact, ça peut être cet exemple-là, ça peut être des caches webcam, au cas où celle-ci soit piratée, ça peut être des USB data blockers, concrètement, ça peut arriver que dans des lieux, en tout cas de passage, où une personne qui vous sollicite, qui veut brancher pour recharger son téléphone, eh bien, il y a des échanges de données entre les deux terminaux, eh bien, c'est pour protéger l'un et l'autre terminal, ça ne fait passer que, entre guillemets, l'électricité. Voilà des astuces. Ou en dernier lieu, qui n'a pas voyagé ne serait-ce que dans le train, où il y avait des ordinateurs ouverts, où vous voyez toute la comptabilité d'une entreprise, la prochaine grande campagne communicationnelle ou autre, qui peut poser un certain nombre de soucis, en tout cas, suivant la personne qui regarde cela, eh bien, tout simplement, des filtres de confidentialité qui sont posés à même l'écran, ou parfois pour les derniers modèles d'ordinateur, qui sont eux-mêmes intégrés. Ça, ce sont des exemples d'outils qu'on peut fournir, notamment à notre personnel ou à nos élus, dans le cadre de leur déplacement. Donc, ça, j'ai envie de vous dire, ce sont des outils physiques. Mais aussi, on fait dans le concept d'outils numériques. Aujourd'hui, on est dépendant d'un certain nombre de géants du numérique, je ne vais pas les citer, vous les connaissez aussi bien que moi. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des alternatives? Eh bien, tout le débat, c'est de se poser la question, déjà, est-ce qu'il existe des alternatives? On parlera du logiciel libre, par exemple, ça peut être un des leviers parmi d'autres, ou alors de solutions européennes, puisque effectivement, soumises aux mêmes législations, aux mêmes règles du jeu que nous pouvons avoir, et donc qui, de notre point de vue, sont plus enviables, parfois, que certaines technologies étrangères. Mais je peux vous donner un certain nombre d'outils. Ça a été rappelé tout à l'heure, c'est l'humain le plus important. Je ne vais pas vous rappeler cet adage qui, à mon avis, a été utilisé, archi-utilisé, que le risque est entre la chaise et le clavier, au sens que le facteur humain est généralement générateur, justement, de mauvais usages, qu'ils soient involontaires ou malveillants, sur les données à caractère personnel. Et notre priorité, en tout cas en tant que délégation à la protection des données, au-delà des interventions qu'on fait de façon institutionnelle, dans le cadre de festivals, je pense au festival Business Buzz ou à la Semaine européenne du numérique responsable, c'est de se rendre sur le terrain, tout simplement. Et dans ce cadre-là, par exemple, auprès des populations mineures, puisque c'est notre priorité cette année, mais encore l'année prochaine, et j'ai envie de dire, je fais un petit passage, c'est la priorité des autorités de contrôle comme la CNIL au niveau mondial, de vraiment s'adresser aux mineurs et à leur entourage familial. En tout cas, nous, notre rôle, c'est d'intervenir dans les collèges-lycées, de discuter avec les élèves. C'est ce petit livret que peut-être certains d'entre vous ont déjà pris, sinon il est disponible sur le côté, où on rappelle quel est l'enjeu, pourquoi protéger sa vie privée, de sortir un petit peu de ce débat binaire de « je n'ai rien à cacher et j'ai tout à cacher », de savoir comment fonctionne un réseau social, concrètement, puisqu'on est amené à manipuler les réseaux sociaux sur les ordiphones, de savoir quel est leur business model, puisqu'on dit que la donnée à caractère personnel est le nouveau pétrole, et aussi de fournir justement précisément des petites fiches thématiques, c'est les deux QR codes qu'il y a à la fin de ce livret-là, sur le fonctionnement donc de ces réseaux sociaux, et aussi de fournir un certain nombre d'alternatives gratuites, on précise, qui sont, à notre sens, de près notre analyse, plus enviables d'un point de vue protection de la vie privée. Voilà donc des exemples que nous sommes amenés à faire, et là, dans un deuxième temps, suivant bien évidemment les évolutions sanitaires, on espère pouvoir amplifier ce genre d'initiatives, notamment dans les tiers-lieux du numérique, en lien avec les associations, puisque on n'a pas réinventé les choses. On est complémentaire de nombreuses actions, comme ça a été évoqué, de côté de cybermalveillance et de l'ensemble des parties prenantes de cet atelier. Et aussi d'aller vers les parents, parce que ce petit livret-là, il était surtout pour les élèves, mais c'est aussi un prétexte de discussion dans les familles, puisque je rappelle là qu'il y a une demande des parents aussi d'accompagnement. Je reprends, c'était donc un sondage IFOP commandé par la CNIL en février 2020, les comportements digitaux des enfants. On a 57% des parents qui affirment ne pas utiliser d'outils de contrôle parental. 44% des parents ne se sentent pas ou pas assez accompagnés dans l'encadrement des pratiques numériques de leur enfant. Et 60% des parents indiquent ne pas savoir vers quelle administration se tourner si leur enfant est victime de cyberviolence. Voilà précisément, c'est à ces questions-là que nous entendons, de notre côté, en compagnie des autres acteurs et actrices, répondre.
Et donc voilà, en tout cas, notre volonté, c'est de rappeler que le fonctionnement d'un réseau social aux effets virtuels, ben, il a des conséquences bien réelles. Ça a été évoqué, les usurpations d'identité, ça fait partie des cas les plus compliqués, parce qu'au-delà de la partie judiciaire, c'est aussi des vies parfois qui sont détruites, donc il y a vraiment un accompagnement psychologique qui est fait. Et voilà, c'est de travailler un petit peu à cet idéal aussi, de au-delà de protéger les personnes, c'est aussi de leur donner les clés de lecture pour se libérer un petit peu de cette dépendance du numérique. C'est, même si c'est un grand mot, de contribuer aux citoyens éclairés, en tout cas de consacrer la liberté de choix de celui-ci, de plus être dépendant parfois des algorithmes, puisque c'est aussi un autre débat qui n'est pas celui du jour, mais en tout cas qui est tout aussi passionnant. Voilà, donc étant discipliné et voyant mon temps imparti écoulé, et préférant plutôt privilégier les questions, je rends donc la parole et vous remercie de votre attention. Bonjour à tous et merci pour cette invitation à ce colloque sur les cyberattaques. Donc moi je m'appelle Vanessa Cordevin, je suis animatrice formatrice chez Emmaüs Connect Strasbourg. Peut-être je vais d'abord présenter un petit peu l'association. On n'entend pas ? Ah pardon, là c'est mieux ? Ok. Donc l'association Emmaüs Connect, c'est une association sœur d'Emmaüs. Qui a été créé en 2013 et qui existe à Strasbourg depuis 2018. Notre but, c'est de promouvoir l'inclusion numérique, donc de faire en sorte que les personnes aient accès aux outils numériques. Ouais. Donc voilà, je vais d'abord vous présenter un peu ce que c'est que l'inclusion numérique, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément, enfin, c'est quelque chose à quoi on n'est pas forcément confronté dans la vie quotidienne. Faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un effort gouvernemental qui vise à faire en sorte que toutes les démarches administratives et tous les services publics soient exclusivement par biais numérique d'ici 2022. Donc c'est plutôt imminent. Et parallèlement à ça, eh ben, on se rend compte qu'il y a une grande partie de la population qui n'a pas forcément accès aux outils numériques, que ce soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue de connaissances de base. Il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a plusieurs raisons. Il y a le fait que les outils numériques, c'est un budget qui reste constant dans le budget des foyers et qui reste très haut pour les personnes en situation précaire. Il va y avoir des manques de confiance, des peurs de mal faire, des peurs de mal agir, du besoin d'accompagnement. Voilà. Et il va y avoir aussi, alors c'est une réalité qu'on connaît pas trop à Strasbourg même, mais il y a des zones blanches encore en France, des coins où il n'y a pas du tout d'internet, où la connexion est très très mauvaise et où c'est très difficile d'avoir accès aux outils numériques. Nous ici à Strasbourg, Emmaüs Connect, on m'a proposé différents axes. On va faire de la formation. La formation, ça va être de la formation de groupe. Donc on va faire des formations de groupe aux compétences numériques de base. Ça part de qu'est-ce que c'est un ordinateur, qu'est-ce que c'est une souris, qu'est-ce que c'est un clavier, comment on s'en sert. Et puis ça va jusqu'à comment est-ce qu'on fait pour utiliser Internet, comment est-ce qu'on fait pour envoyer des mails. Et on va ensuite parler un peu de questions de sécurité et de questions de démarches administratives. On a un petit comptoir solidaire chez Emmaüs Connect Strasbourg où vous allez pouvoir, pour les personnes qui viennent chez nous, elles vont avoir accès à du matériel qui est beaucoup moins cher que ce qu'on va trouver, même de seconde main, dans des magasins. Donc ça va être du matériel de base, des ordinateurs, des smartphones, des téléphones. Et on a un système de recharge aussi qui va être beaucoup moins cher que ce qu'on peut trouver en bureau de poste, bien sûr. Et on va aussi partiellement avoir des propositions de rendez-vous de conseil et de médiation. Ça va être utile pour les personnes, bien qu'on souscrit à des offres et des opérateurs qui ne correspondent pas du tout à leurs besoins. Forcément, les publics qu'on accompagne, c'est des personnes qui ne savent pas forcément ce que ça veut dire avoir 10 gigas d'Internet sur son téléphone. Pour eux, c'est abstrait, ils ne savent pas comment s'en servir. Et quand on leur téléphone pour leur dire « c'est une super opportunité », et parfois, ils vont dire oui, sans savoir ce que ça veut dire. Du coup, ils se retrouvent à payer des choses, des sommes qui, pour eux, sont significatives, sans forcément comprendre. Donc, nous, on va les aider à comprendre, à trouver pour eux de meilleures opportunités et à éventuellement entrer en médiation pour résoudre les problèmes, pour que ce soit plus une problématique de leur vie quotidienne. Globalement, l'association... Depuis 2013, les publics qu'on accompagne, souvent les personnes pensent que c'est plutôt des personnes âgées, mais nous, c'est pas la réalité qu'on a. Les personnes qu'on accompagne, ça va être essentiellement des personnes entre 30 et 55 ans.
On va aussi avoir beaucoup de personnes jeunes qui vont plutôt venir pour des problèmes d'accès à la connectique. Quand on est mineur, on peut pas forcément prendre des forfaits, des choses comme ça. Voilà. Et les personnes qu'on accompagne, c'est forcément des personnes en situation précaire. Pour arriver chez nous, il y a un petit processus par le biais associatif où les personnes nous sont recommandées. Voilà. Hop là. Donc, je vais vous présenter un peu les différentes problématiques de cybersécurité dont on parle avec les publics qu'on accompagne. Essentiellement, on va présenter toutes les bases. Il faut savoir que pour quelqu'un qui est en situation d'électronisme, la sécurité, c'est quelque chose d'extrêmement abstrait. Quand on ne sait pas comment fonctionne l'ordinateur, on n'est pas capable d'identifier si quelque chose est une menace ou pas. Donc, nous, on va parler du piratage informatique. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Qui fait ça? Quel est le but? Et on va démystifier un peu la chose. Souvent, il y a des idées très, très cinématographiques, avec des chiffres partout. C'est un peu Matrix, c'est un peu... voilà, il y a des lumières partout, et on essaye de leur expliquer que, en fait, non, les problématiques de sécurité, c'est pas forcément comme ça, et quels sont les risques encourus. Donc, les questions d'usurpation d'identité, d'accès aux informations personnelles, des choses comme ça. On va parler de protéger son ordinateur, comment ça se fait, de qu'est-ce que c'est un antivirus, comment ça marche, qu'est-ce que c'est un pare-feu, comment ça marche, comment est-ce qu'on va reconnaître les sites sécurisés, les réseaux sécurisés, vraiment ces choses de base que nous tous, quand on est éduqués au numérique, on sait, on est capable d'identifier les différents éléments. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et voilà. Et on va donner des indices pour reconnaître les tentatives de hameçonnage et différencier ça, par exemple, de tout ce qui est prospection commerciale. D'accord? Essayer de vraiment éveiller les personnes aux indices visuels qu'on peut trouver, aux différentes choses qu'on va essayer de trouver. Savoir suivre son instinct, se méfier quand il y a des belles promesses, quand il y a des promesses d'argent, de rencontres, de choses comme ça. Être capable de se dire, peut-être que c'est un piège. Voilà, les choses de base dont on a déjà un peu parlé, mais avoir des mots de passe divers, sécurisés, comment les construire, comment s'en souvenir. Comment les stocker, ce genre de choses. Et on va aussi parler de manière plus large de la problématique de la vie privée. Okay ? On sait aujourd'hui que la vie privée sur Internet, c'est une grosse problématique. Et les personnes qu'on accompagne, ils ne sont pas du tout éveillés à ça. Ils ne comprennent pas les implications du fait d'utiliser des sites, de donner son consentement à tout. Il faut savoir que pour comprendre ce à quoi on dit oui, il faut être capable de lire, il faut être capable de le comprendre. Et voilà, nous, on va beaucoup parler différences entre les différents navigateurs, entre les différents moteurs de recherche, dans la manière dont ça va traiter nos données personnelles. On va faire des parallèles entre la vie réelle, la vie concrète, et la vie en ligne, les choses qu'on ne ferait pas. Personne ici se baladerait en distribuant des petits flyers avec... Toutes ces préférences, tous les endroits où on va tout le temps, ça leur parle de se dire « Ah ben oui, c'est vrai que ça, je ferai pas. » Et réussir à faire ce lien entre ce qu'on fait sur Internet et ce qu'on ferait dans la vraie vie. Voilà. On va parler du paramétrage des réseaux sociaux, des cookies éventuellement, parce qu'ils ont tous vu les panneaux, tout le monde a vu les panneaux, mais savoir ce que ça veut dire, c'est encore une autre problématique. Et éventuellement, on va parler du droit à l'oubli. Okay ? Alors, donc, en fonction des publics qu'on a, on va avoir différentes approches et en tout cas des thématiques qu'on va aborder plus ou moins. Par exemple, avec les jeunes et avec les parents, on va beaucoup parler de la réputation en ligne, de l'image qu'on donne, des informations qu'on donne. On va aussi beaucoup parler de comment est-ce qu'on identifie les fake news, les infox, de comment est-ce qu'on peut gérer le cyberharcèlement, comment est-ce qu'on va repérer les différents éléments. Voilà, on va parler des risques des partages d'informations sur les réseaux sociaux, sur les chats, le chantage à la webcam, le fait que même s'il y a indiqué quelque part que c'est sécurisé, même si on se dit « Ah bah oui, Snapchat, de toute manière, ça s'efface », non, les choses, ça disparaît jamais complètement sur Internet et il faut toujours faire attention et réfléchir à ce qu'on fait. Voilà.
de manière plus générale, avec tous les publics qu'on accompagne, on va parler des bons réflexes de sécurité en ligne, le fait d'effacer ses données, le fait de choisir son navigateur, le fait de se déconnecter de ses comptes. Et ça, c'est des choses que beaucoup de personnes qu'on accompagne n'ont pas conscience de ce genre de choses. Ils sont à chaque fois un peu éberlués d'apprendre que ça peut constituer des risques. Typiquement, on a des difficultés qui sont propres au public qu'on accompagne. Première grosse difficulté, on a beaucoup de personnes en situation précaire qui ne maîtrisent pas ou peu la langue française. Et je ne sais pas si c'est facile de s'imaginer ça, mais quand on ne maîtrise pas la langue française, être sur Internet, c'est lire des informations. C'est lire des informations tout le temps, c'est comprendre ce qui est écrit. Donc si le français n'est pas la langue maternelle, si la personne est partiellement illettrée, s'il y a des problèmes de compréhension de la langue, c'est très 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 difficile de comprendre que c'est potentiellement une attaque. Typiquement, avoir un mail de hameçonnage, le premier indice, je pense que tout le monde ici serait d'accord pour voir ça, c'est les fautes d'orthographe. Sauf que si on n'est pas français, pas francophone, on ne va pas forcément repérer les fautes d'orthographe, on ne va pas forcément repérer les indices visuels comme ça. Deuxième gros aspect, ça va être la méconnaissance des interfaces numériques. Quand on ne sait pas la tête que ça devrait avoir, tout semble dangereux. Moi, j'ai déjà eu des personnes qui ont fermé une fenêtre et qui se sont dit « Est-ce que je me suis fait pirater ?» Oui, forcément, si on ne sait pas comment ça doit réagir, on se dit que tout est potentiellement quelque chose de dangereux. Enfin, tout est forcément quelque chose qui va porter atteinte à la sécurité. Typiquement, être capable d'identifier une publicité, être capable de se dire est-ce que ça c'est une attaque ou est-ce que ça c'est juste de la publicité. Identifier des dysfonctionnements de Windows, on va leur dire quand on leur parle qu'il faut identifier des bugs, mais si on ne connaît pas le fonctionnement normal de l'interface, on n'est pas capable de se dire ça en fait c'est pas normal, c'est pas quelque chose qui devrait se passer. Voilà. Toujours s'éloigner des clichés cinématographiques, des choses un peu qui bougent tout le temps, qui sont étranges comme ça. Les personnes qu'on accompagne, c'est des personnes qui vont forcément se sentir complètement impuissantes face à l'idée des attaques. Même ils sont persuadés qu'ils n'ont aucun recours, qu'ils ne peuvent rien faire. Quand ils se retrouvent face à une attaque. Et ça, ça va être une grande partie de l'éducation qu'on doit faire. Leur enseigner que, y a toujours des choses, il y a toujours des choses à faire, il y a des étapes. Au lieu d'accepter ou de refuser, on a des manières de vérifier que les interactions sont légitimes. Typiquement, on reçoit un mail d'hameçonnage. Si on n'est pas sûr de est-ce que c'est un vrai mail, on va essayer de confirmer auprès de sa banque. Sauf que confirmer auprès de sa banque, ça veut dire téléphoner à la banque, téléphoner au service bancaire. Il faut comprendre comment marche ça. Souvent, ils vont vous demander de confirmer avec une application. Donc, si on ne connaît pas l'outil numérique, on ne peut pas confirmer avec l'application. Ils vont nous demander d'entrer des informations. Ils vont nous demander de téléphoner à des lignes qui sont payantes et qui sont surtaxées pour des personnes qui sont en situation précaire. C'est pas possible de faire ça, en fait. Du coup, c'est un trou qui se creuse, quoi. Et la plupart du temps, du coup, il y a un abandon général. Si c'est trop complexe, déjà, l'utilisation de base de l'outil numérique, c'est quelque chose qui va être extrêmement complexe pour eux. S'ils sont dans une situation où ils savent pas comment gérer, où ils sont en situation de risque, ils ont envie de tout éteindre et d'abandonner l'histoire. D'accord ? Typiquement, on va essayer de parler des différentes alternatives entre les différents navigateurs, entre les différents moteurs de recherche. Mais quand on change vers un moteur de recherche qui va être plus respectueux des données personnelles, souvent l'interface elle va changer. Et pour nous, c'est relativement minime. On va être capable d'identifier les différents éléments, de comprendre ce qui se trouve. Mais pour quelqu'un qui vient de mettre les pieds dans le numérique, c'est impossible à gérer. C'est quelque chose... Soudainement, tout est changé et c'est pas possible d'identifier les différents éléments. Ok. Donc pour les publics qu'on accompagne, il y a plusieurs implications. On va avoir,
Voilà. Le fait que les personnes qui sont en situation d'électronisme, elles vont être beaucoup plus facilement victimes d'arnaques. Quand elles ont, quand il y a une attaque, et ben elles vont être beaucoup plus facilement attirées par le gain que ça peut représenter, par la facilité que ça peut représenter. Et du coup, beaucoup plus facilement, elles vont être victimes de ces arnaques. Et en plus, s'ils sont dans des situations précaires, si c'est des personnes qui sont en situation illégale, si c'est les choses comme ça, et ben ils vont pas oser agir par peur de répercussions, par peur des incidences. Dans leur vie réelle et d'incidence économique. Les personnes qu'on accompagne, souvent, leur droit à la vie privée n'est pas respecté parce qu'ils ne comprennent pas les implications. On en a déjà parlé un petit peu auparavant, et pour le grand public, beaucoup de personnes ne sont toujours pas extrêmement au courant des implications de l'utilisation d'Internet vis-à-vis des données personnelles. Mais alors, pour les personnes qu'on accompagne, ils vont dire oui à tout, sans lire, sans comprendre ce que ça implique. Et du coup, pour eux, c'est une entité, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre sur Internet. Il y a vraiment cette notion de distanciation. Voilà. Solutions, il y en a quelques-unes. Lutter contre l'isolement numérique, donc ce que nous on fait, mais d'autres associations le font aussi énormément. Hein. Et il y a beaucoup de mesures qui ont été lancées pour accompagner les personnes en situation d'électronisme, pour les accompagner, pour leur faire comprendre comment utiliser les outils et donc les éduquer. On va aussi pouvoir éduquer les personnes sur les lieux de travail, pour les personnes qui travaillent, et ça c'est un élément clé, et éduquer dans les espaces publics de manière générale. Donc par exemple, au collège, au lycée, à l'école, dès le plus jeune âge, vraiment commencer à enseigner. On sait que par exemple, si des enfants ont conscience de certaines problématiques, ils vont pouvoir en parler avec leurs parents, avec leurs grands-parents, et du coup il va y avoir un niveau de conscience générale beaucoup plus avancé. Hop. Voilà. Pour nous, en tant qu'association et de manière générale dans l'associatif, l'enjeu majeur, ça va être d'informer sans effrayer. Ça va être d'être capable de dire aux personnes, pour une bonne utilisation d'Internet, il faudrait faire ça, il faut faire attention à ça, 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 sans qu'il y ait de mouvement de panique, sans qu'il y ait de rejet encore plus violent du monde numérique. Parce que, aujourd'hui, on est obligé, de toute manière, de comprendre les outils numériques pour s'habituer, pour avoir accès à tous ses droits, pour réussir à vivre dans le quotidien. Ok, c'est tout. Je donne la parole à Rodrigue Galani pour les petits propos conclusifs sur cette table ronde avant qu'on passe à la pause. Ça va être très rapide pour que la pause soit longue. Je voudrais remercier, dans l'ordre, Laurent Verdier. Je vous assure, il faut vraiment aller sur le site de Cybermalveillance. Tout ce dont il a parlé est à 100% vrai, je valide. Effectivement, vous trouverez la documentation des kits que vous pouvez télécharger très facilement si vous voulez autour de vous faire passer des informations. C'est vraiment l'endroit où vous trouverez un maximum d'informations et surtout de la doc que vous pouvez, des affiches, hein, que vous pouvez. Tout est libre puisque les licences sont la majorité, je crois 90% au moins, c'est sous licence libre. Je voudrais remercier Monsieur Arad aussi, évidemment, puisque je pense que beaucoup de gens, très souvent, ne connaissent même pas l'existence du DPD, et en tout cas, ceux qui la connaissent ne savent pas vraiment comment ils peuvent s'adresser à lui, à quel propos et quelles sont ses missions. Donc là, je pense que, j'espère que la majorité, c'était suffisamment clair pour que la majorité des personnes ici aient compris. Et puis, Vanessa Cornvin, merci aussi, parce que j'ai beaucoup apprécié surtout cette approche qui a été évoquée aussi par M. Verdier, c'est que... Il y a des formations techniques, il y a des formations de procédures sur quel bouton il faut appuyer et qu'est-ce qu'il faut remplir comme formulaire. C'est très bien, c'est nécessaire.
Mais les formations dont j'ai parlé tout à l'heure, celles qui sont transversales, c'est-à-dire celles qui vous donnent, vous en apercevez plus parce que vous l'utilisez tous les jours, mais vous avez ce que, je ne sais pas quel est le terme français, pardon, des soft skills, donc des espèces de choses que vous avez appris en apprenant à utiliser les outils informatiques qu'une grande partie de la population, je ne sais plus si tu as évoqué le chiffre, c'est de l'ordre de 35-40%. C'est ça. Il y a 35% de la population en France qui est en situation de difficulté face au numérique. Et il y a 17% qui est en grande précarité numérique. Donc vraiment qui n'arrivent pas du tout à utiliser les outils. Alors 35% de la population française, ça, c'est vrai que lorsqu'on a dressé une carte avec Whitaker et Emmaüs Connect, on s'est bien aperçu que les zones qui étaient les plus touchées par des difficultés étaient effectivement dans des milieux défavorisés, on va dire. Mais 35%, ça ne représente pas toute cette population-là. Hein. Posez des questions autour de vous, vous allez vous apercevoir, juste là, dans vos connaissances, votre famille, vos parents, vos cousins, vous dites des termes que vous avez entendus aujourd'hui, j'ai un doute sur le fait que beaucoup aient compris qu'effectivement, comment fonctionne un navigateur, qu'est-ce qu'un cookie. Je pense qu'autour de vous, vous aurez des surprises. 35%, c'est énorme. Merci Émilie. Donc nous allons parler des comportements dangereux de l'usager sur Internet, c'est-à-dire les bonnes pratiques qui doivent être appliquées pour minimiser les risques. Donc vous avez tous pensé que si vous avez un antivirus, un firewall ou que vous utilisez un VPN, c'est des protections suffisantes. Non, c'est des protections nécessaires effectivement, mais elles ne sont pas suffisantes. Pourquoi elles ne sont pas suffisantes? C'est normal. Vous êtes le maillon faible. Oui, c'est vous le maillon faible. C'est l'être humain qui est le maillon faible en informatique plus qu'autre chose, puisque 85% des problèmes informatiques sont dus à qui? Aux usagers. C'est l'utilisateur qui cause la majorité des problèmes et des infections sur un ordinateur. C'est pour cela que vous devez apprendre à vous protéger. Vous devez mettre en place une bonne hygiène ainsi que des bons réflexes pour vous protéger et pour savoir quoi faire sur Internet. Ah, excusez-moi, je viens de recevoir un petit mail qui a l'air d'être urgent, donc je vais le consulter. Ce petit mail que je viens de recevoir, ben c'est très intéressant, on propose 20 000 euros pour les actions que je mène dans la cybersécurité. C'est très bien, ça vient de la gendarmerie, du C3N et de l'ANSSI. Ça m'a l'air d'être quelque chose de sérieux et d'important en plus de ça à répondre. Donc je vais cliquer sur le petit lien qu'il m'a donné pour remplir mon dossier. Je suis en train de télécharger mon petit document. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu toutes mes données, j'ai eu un ransomware, mes données, mon ordinateur est crypté, on m'a même volé toutes mes données personnelles. À caractère personnel, comme tout à l'heure, il y avait le DPO qui expliquait, on a toutes mes informations, mes comptes bancaires, on a mes adresses mail, mes mots de passe, c'est une catastrophe. Pourquoi? Effectivement, plus de 94% des actions des cybercriminels sont dues au mail. C'est en ouvrant un mail qu'on fait infecter la majorité des ordinateurs. Donc pour cela, il faut avoir de bons réflexes quand on reçoit des mails. Déjà, il ne faut jamais avoir confiance à la personne qui nous envoie un mail. Il faut être sûr de l'expéditeur et même sûr de l'expéditeur, ce n'est pas encore valable. Pourquoi? Il existe maintenant des moyens de dissimuler des adresses mail, de fabriquer des fausses adresses mail. Donc, il faut pouvoir vérifier cela. Un des petits réflexes qu'on peut avoir pour vérifier, par exemple, c'est de cliquer sur le répondre et de vérifier que l'adresse de réponse, c'est la même que celui qui nous l'a envoyé. Si ce n'est pas la même, ça ne sert à rien de répondre. Vérifiez aussi l'entête de l'adresse mail. Une organisation n'aura jamais une adresse en @gmail. Le Gmail, c'est quelque chose pour les particuliers, ce n'est pas pour des professionnels. Il faut être aussi attentif aux indices qu'il y a dans le mail. Hein. On disait tout à l'heure les fautes d'orthographe. Alors, il faut savoir que ça commence à être faux. Maintenant, les mails ont peut-être moins de fautes d'orthographe que des mails officiels. Hein. Il faut se méfier des petites annotations. Par exemple, cher membre qui est envoyé par un organisme tel qu'une banque ou alors un FAI, un fournisseur d'accès à Internet, ça ne se dit pas. On ne dit pas cher membre. On dirait, généralement, il donne déjà le nom dans l'entête du mail ou alors il dirait cher client. Hein, on n'est pas membre d'EDF, on n'est pas membre de SFR, on n'est pas membre de Free, on n'est pas membre de la banque postale. On est des clients. Il y a le texte. Certains sont des tutoiements. Donc, généralement, un organisme ne va pas nous tutoyer.
pareil, si vous recevez un mail qui vous dit qu'on vous doit de l'argent ou que vous devez de l'argent, jamais une banque, jamais un organisme vous le dira directement. On vous dira d'aller consulter votre compte ou alors de lire un mail que vous avez reçu sur votre boîte de cet organisme. Par exemple, les banques ne vous envoient jamais de mail simplement pour vous informer que vous avez reçu un mail dans votre banque. Si vous avez un doute sur l'expéditeur, ben je vous conseille de contacter la personne. Alors ne faites pas répondre au mail, hein, puisque si vous risquez de répondre au cyberpirate qui vous a envoyé le mail. Répondez-lui avec l'adresse que vous connaissez ou appelez-le avec le numéro que vous connaissez ou que vous trouverez sur le site internet. N'utilisez pas les numéros de téléphone qu'il y a dans le mail ou les adresses mail qu'il y a dans le mail. Hein ? Il faut aussi se méfier de tout ce qui est pièce jointe, hein. Surtout les clics sur les URL. Généralement, les URL qui sont contenues dans des mails qui sont du phishing, ça va être des adresses qui vont ne pas correspondre à un site, ça sera des raccourcis. Hein. Donc il ne faut pas cliquer sur ces liens, puisqu'en cliquant, vous allez risquer de donner des informations vous concernant et peut-être de télécharger aussi des virus. Si vous recherchez sur un moteur de recherche, c'est pareil. Recherchez, si vous connaissez la URL complètement, vous pouvez la saisir directement. Si vous ne la connaissez pas, vous cherchez sur le moteur de recherche. Mais attention, ne cliquez pas sur les 3 ou 4 premières annonces. Premièrement, si vous cliquez sur les 3 ou 4 premières annonces, vous allez financer un GAFA. Donc, si vous voulez financer les GAFA, c'est votre droit. Hein, vous avez le droit. Vous les financez déjà beaucoup en leur donnant vos données personnelles. Hein. Dès que vous créez un mail chez un GAFA, dès que vous prenez un téléphone portable, vous leur donnez déjà beaucoup d'informations qui les rémunèrent. Mais les 3 premières annonces vont payer. Mais en plus de ça, il faut savoir que c'est des annonces. Donc ça ne correspond pas forcément à la recherche ou au véritable organisme. Hein. Un site pirate peut avoir payé plus cher qu'un véritable organisme et donc apparaître... Ah oui, on me demande de préciser GAFA. Hein. GAFA pour Google, Amazon, Facebook et Apple. Enfin, le LEA, on les met où à peu près on veut. On peut même dire aussi GAFAM avec Microsoft. Mais je pense que Microsoft est peut-être le moins pire de tous. Donc, généralement, j'oublie de le citer. Donc, vous allez aller chercher dans le moteur de recherche l'URL, le site qui correspond à l'organisme que vous voulez contacter. Attention, méfiez-vous. Hein, vérifiez bien le nom. C'est le bon nom de l'organisme, mais aussi que l'URL commence par HTTPS. Le HTTPS est très important. Pourquoi ? Le HTTPS va permettre de vérifier que les données qui sont envoyées de votre ordinateur vers cet opérateur sont cryptées. Hein ? S'il n'y a pas de S, on va pouvoir accéder à ces données. Hop. Donc j'ai... hop, mince. Il me manque une diapo, c'est bizarre. Pareil pour les pièces jointes, évitez d'ouvrir les pièces jointes. Hein. Et si vous ne pouvez pas faire autrement, désactivez tout ce qui est macro. Hein. Beaucoup de personnes laissent les macros activés sur leurs fichiers, leurs documents Word, sur leurs Excel. Surtout, chose à ne pas faire, les programmes malveillants se lancent à partir de là généralement. Pareil pour tout ce qui est .exe. Téléchargez jamais aucun fichier qu'on vous a envoyé en .exe et pareil pour les zip. Quand vous avez un zip, vous dézippez, dedans il y a un .exe, vous exécutez le zip. Bienvenue chez nous, vous avez installé un virus. Sur certains sites, il arrive la même chose. Vous allez aller sur certains sites, et je vais repréciser tout à l'heure, on va dire que votre antivirus n'est pas à jour. Et là, vous allez télécharger un virus si vous téléchargez ce qui vous est dit de télécharger sur le site. Il faut savoir qu'aucun organisme va vous demander des informations confidentielles par mail. Hein ? Comme je le disais tout à l'heure, la banque va vous demander de contacter, d'aller voir votre adresse, votre boîte mail dans leur site. Mais on ne vous demandera jamais d'informations confidentielles à travers un mail. Il ne faut jamais rentrer aucune information, répondre sur un site, sur un mail, avec des informations confidentielles. Surtout lorsqu'il s'agit de numéros de carte bancaire, d'IBAN, de numéros de sécurité sociale. Pour le reste, pour les 6% qui restent, il y a d'abord les sites web. J'en ai parlé tout à l'heure. Et sur les sites web, il faut aller que sur des sites web pratiquement en HTTPS. Surtout si vous devez transmettre des données à quelqu'un. Hein, dès qu'il y a un formulaire, dès que vous devez saisir votre numéro de carte bancaire, vous devez vérifier qu'il est HTTPS.
Alors, c'est peut-être pas évident à voir, mais il y a un moyen de se repérer, c'est qu'il y a toujours un petit cadenas qui apparaît quand c'est un site HTTPS. Hein, donc, selon les navigateurs, il peut être noir ou jaune ou vert. Effectivement, si vous n'utilisez pas un site en HTTPS, il va y avoir ce qu'on appelle un homme du milieu, un man in the middle attack, c'est-à-dire qu'une personne va pouvoir se mettre au milieu et intercepter vos données et pouvoir les lire en clair. Il y a des logiciels qui sont très simples d'utilisation qui permettent de faire ça et qui sont à la portée de tous. Je peux vous garantir qu'un tiers de la salle présente sont capables de le faire en moins de 5 minutes. Vérifiez les adresses IP aussi, les adresses. Hein. Pour la première ligne, qui peut me dire s'il y a une différence ? C'est illisible qu'il y a une différence. Et pourtant, il y en a une, puisque la première lettre est un I et la deuxième est un L. Le I est en majuscule et le L est en minuscule. Et quand on les saisit au clavier, dans une adresse d'un site, c'est exactement la même chose. Méfiez-vous à cela. Il y a aussi le doublement de lettres ou des signes particuliers qui peuvent apparaître. Vous pouvez avoir, exemple, Google. Normalement, Google, c'est avec deux O, mais un site pirate rajoutera un troisième O, chose que vous ne constateriez pas si vous ne faites pas preuve de vigilance. Sur les réseaux sociaux, il faut faire une part belle entre le piratage et le vol. Il faut savoir que très peu de sites de réseaux sociaux, de comptes de réseaux sociaux sont véritablement piratés. Ce qui se passe, c'est un vol des informations d'une personne. Méfiez-vous si vous avez vos réseaux sociaux qui sont mis en public, mettez-les en privé. Vous pouvez mettre de temps en temps une publication publique que tout le monde peut voir, mais méfiez-vous, mettez-les en privé, vos réseaux sociaux, pour que seuls vous et vos amis ont accès à vos informations. Alors méfiez-vous aussi, des amis à vous peuvent avoir partagé des informations à vous, même si vous êtes en privé. Donc, ce qui se passe, lors d'un vol d'informations, quelqu'un va pouvoir créer un compte similaire et faire un peu la technique que je viens de montrer avec le « i », changer le nom en rajoutant une lettre, en modifiant une lettre, en rajoutant un signe, et va pouvoir contacter vos amis. Et il va les inviter, et après un certain temps, il va leur demander de l'argent, soi-disant en prétendant qu'il est vous, et qu'il se trouve à l'autre bout du monde, et qu'il a perdu ses papiers ainsi que son argent. La prudence, qu'est-ce qu'il faut faire pour cela ? C'est jamais d'accepter des profils qu'on n'est pas sûr. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, il ne faut jamais accepter. Et quand vous avez besoin de relations, quand vous êtes quelqu'un un petit peu de public, comment accepter quelqu'un, oui ou non ? Ben, c'est très simple, allez voir son profil en premier. Si son profil est vide, si son profil ne vit pas, ne l'acceptez surtout pas. N'acceptez que des profils vivants, des personnes qui ont déjà des publications, qui ont déjà de nombreuses photos, au moins vous voyez que c'est un site vivant. Le pirate ne va pas se fatiguer à faire plus de 2 ou 3 publications et il ne les mettra jamais à jour. Donc n'acceptez pas tout de suite la demande, attendez 1 semaine, 15 jours et regardez ce qui se passe sur le profil de la personne qui vous a invité. Au niveau du mot de passe, vous avez ici un exemple des 20 mots de passe les plus utilisés en France. Surprenant, non ? Hein ? Ces 20 mots de passe sont toujours, en 2021, ce qui est le plus utilisé par les gens. Hein ? Ces mots de passe, on les craque en moins d'une heure. On fait ce qu'on appelle des attaques par dictionnaire, et ils figurent dans des dictionnaires préétablis, et les logiciels les analysent rapidement. Donc méfiez-vous. Hein ? Alors il y a eu une petite révolution, avant on avait surtout, et on l'a toujours, hein, puisqu'il est toujours parmi les premiers, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, on a jusqu'à 9. Pourquoi ? Parce que la plupart des sites demandent maintenant au-dessus de 8 caractères. Donc, on a rajouté quelques chiffres en plus. Hein ? Mais ça, c'est des mots de passe qu'il ne faut pas utiliser. Il faut aussi que vous ayez des mots de passe uniques. Vous avez 10 applications différentes, vous avez 10 adresses mail différentes, vous avez votre téléphone, vous avez plein d'outils. Maintenant, on est obligé d'avoir des mots de passe partout. Vous devez avoir 10, 20, 100 mots de passe différents. Il ne faut surtout pas avoir le même mot de passe quelque part, puisque il y a des piratages qui s'effectuent régulièrement chez les personnes qui hébergent vos données. Hein ? Yahoo, Hotmail, Sony ou bien d'autres groupes se font régulièrement pirater et on leur vole les mots de passe. Donc si vous utilisez les mots de passe partout, il sera très simple pour un pirate de pouvoir vous suivre et de pouvoir accéder à tous vos comptes. Si vous vous souvenez de votre mot de passe, vous avez tout faux. Hein ? Si vous vous souvenez du mot de passe facilement,
c'est-à-dire qu'il est facilement craquable. Hein? Donc c'est un gros défaut. En plus de ça, même si vous avez une méthode pour fabriquer vos propres mots de passe, c'est pareil. Si vous êtes capable d'avoir une méthode, on est capable de trouver votre méthode. Comment faire pour avoir un bon mot de passe? Ben, il faut utiliser des logiciels type KeePass qui permettent de générer et de stocker vos mots de passe. Donc, n'utilisez pas non plus n'importe quel logiciel parce que vous ne savez pas d'où ils viennent. L'idéal, c'est d'aller sur le site de l'ENSI et de regarder les logiciels qui sont certifiés. C'est important. De même, hein, c'était sur la diapo précédente, lorsque vous êtes sur une session, hein, mais une personne l'a dit à la première table ronde, ne laissez jamais vos sessions ouvertes. N'oubliez pas de vous déconnecter quand vous êtes sur votre compte en banque. Avant de fermer votre navigateur, cliquez sur le bouton déconnexion. Pareil pour vos adresses mail et pareil pour tous les autres outils que vous utilisez. De même, ne jamais enregistrer vos mots de passe dans vos navigateurs. Vos mots de passe ne sont pas vraiment cryptés. Tout ce qui est téléchargement illégaux, c'est pareil. C'est dangereux. Il faut savoir que télécharger des vidéos peut vous coûter plus cher qu'un abonnement de 5 ans sur une plateforme de streaming. Hein, puisque si vous devez changer d'ordinateur et les données personnelles que vous allez perdre plus de 500 €. Ce qui est l'équivalent à peu près de 5 ans d'abonnement sur une plateforme de streaming. De même, pour le téléchargement des logiciels, hein, n'installez pas de logiciels pirates. Généralement, ils sont vérolés, plein de virus. En plus de ça, vous pouvez avoir des poursuites derrière. Si vous n'avez pas d'argent, il existe de nombreux logiciels libres, open source, que vous pouvez facilement trouver sur Internet et installer. Et si ça ne suffit pas, si malgré toute la vigilance, puisque personne n'est à l'abri d'une attaque et d'un problème informatique, il se passe qu'on fait appel à mes collègues qui sont assis autour de cette table et dont je vais passer maintenant la parole, n'est-ce pas, Émilie ? Bien, je vais compléter un peu la présentation de Sébastien en me basant sur le titre, en disant les cyberattaques tous concernés. Eh bien oui, on est tous concernés, et moi aussi, que je sois magistrat ou président en tout cas d'une structure qui s'attache à lutter contre le blanchiment d'argent. Pourquoi ? Il y a 3 jours, j'ai reçu un mail dans ma boîte mail professionnelle d'un commissaire de police français, m'indiquant que je faisais l'objet d'une enquête pour pédopornographie qui avait été dirigée par la commissaire générale d'Europol et que donc je devais répondre à ce mail ou faire l'une ou l'autre chose, ce que je n'ai pas fait. Problème, c'est que quand on reçoit ce mail et d'autres collègues l'ont reçu, ils ont été évidemment impressionnés. Comme je connais la directrice d'Europol, puisqu'elle était la commissaire générale de la police fédérale belge avant, donc j'ai pu voir que ça n'était pas en tout cas le cas. Et comme magistrat, comme je bénéficie d'un privilège de juridiction, si jamais j'avais dû faire l'objet d'une enquête pour pédopornographie, je ne serais pas là aujourd'hui. Je n'aurais jamais pu passer la frontière. Autre exemple que j'ai reçu, et là il est plus subtil évidemment, c'est du ministère des Finances. Vous connaissez en France, comme nous le connaissons en Belgique, le système en tout cas du prélèvement à la source et puis des déclarations fiscales automatiques. Et puis j'ai reçu un mail du ministère des Finances m'annonçant que j'allais recevoir un remboursement de 4 500 €, que je n'avais pas demandé. Donc c'est toujours intéressant. La seule chose, c'est que bon nombre de personnes l'ont reçu, sont tombées dans le piège, moi pas. Mais tout simplement parce que je sais que si le ministère m'annonce qu'il va me rembourser, ça n'est jamais que le remboursement n'interviendra que 2 mois après l'annonce du remboursement. Et donc pas dans les 15 jours comme c'était indiqué. Un autre, je l'ai reçu ce matin, c'est ma banque qui m'annonce que je dois cliquer sur un lien parce que j'ai un nouveau lecteur de carte. Manque de bol, c'est sur mon adresse professionnelle et je n'ai jamais donné mon adresse professionnelle à ma banque. Qui d'ailleurs me pose toujours de multiples questions quand je me présente pour faire une opération et qui me déclare que c'est dû à la législation sur le blanchiment d'argent. On me demande donc ce que je fais et je dis mais vous avez les données, regardez. Et alors là on s'excuse, ce qui veut donc dire que la banque ne sait même pas les données dont elle dispose et ce qu'elle en fait. Mais pour revenir en fait au sujet de cet après-midi, je vais vous l'exposer rapidement.
pour respecter en tout cas le timing imposé par Émilie, mais d'une autre manière. L'aboutissement en tout cas de la cyberattaque. Alors, quelques chiffres. L'année dernière, on a transmis 251 dossiers aux autorités judiciaires belges en liaison avec des cyberattaques. C'est peut-être pas grand-chose. Alors, je vais vous donner le montant de ces 251 dossiers. 61 millions d'euros. Donc, comme ça, vous voyez effectivement la conséquence ultime, le bout en tout cas du processus. Parce que ce que Sébastien vous a indiqué, et ce qui avait été indiqué précédemment, en disant, ben voilà, vous devez cliquer sur un mail, mais vous pouvez être le seul, mais dites-vous bien qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes, et que ça aboutit à des montants colossaux. Alors avant d'arriver à Strasbourg, comme je roulais sans commettre d'infraction pour une fois, et en utilisant un téléphone main libre, mon bureau m'a appelé parce que, ben, il y avait en fait une obligation où on s'attendait à ce que je bloque un compte en banque en Belgique, sur lequel il y avait 185 000 euros d'une société inconnue en Belgique. Tous les versements qui arrivaient étaient des versements minimes de 100, 150 euros, provenant d'Allemands. Et tout ça nous était demandé par nos homologues bulgares, parce que les homologues bulgares, eux, ont découvert les escrocs qui sont là et qui commettent ce genre de choses. Alors, vous voyez directement l'ampleur de ce que ça peut prendre. Entre cellules de renseignement financier chargées de lutter contre le blanchiment, on a suffisamment de contacts, on se fait suffisamment confiance et donc on s'entraide. L'autre technique aurait été de dire, mais qu'est-ce que j'en ai à faire des autorités bulgares qui ont un dossier d'une personne que je ne connais pas, avec de l'argent qui arrive en Belgique, les victimes ne sont même pas en Belgique, moi je peux tout classer, tout fermer et ne rien communiquer. J'ai donc saisi ou fait saisir les 180 000 euros en espérant une chose, c'est que les Allemands soient rapides et demandent à ce que cet argent soit rapatrié pour qu'à tout le moins les victimes puissent être indemnisées en fonction de l'enquête qui sera effectivement diligentée par les Bulgares. Mais donc vous voyez dans quel jeu on joue. Dans ce qui était présenté, et je pense que ça vaut pour les enquêteurs comme pour les magistrats, on vous parle d'une culture numérique. Alors la culture numérique, on la vit comme citoyen. Mais comme professionnel, c'est tout à fait différent. Parce que si la culture numérique est là, on a toujours, nous, des frontières. Or, le monde numérique n'a plus de frontières. Tout peut effectivement se passer de n'importe quel endroit, virtuel ou bien réel, peu importe. Et donc, il faut parvenir à démonter tout ce mécanisme. Alors, quelques éléments pour vous indiquer comment ça se passe. Il y a en fait, il y a une étude qui a été faite là-dessus. Le business email compromise, en anglais, je ne sais malheureusement pas le traduire en français puisque c'est une appellation internationale. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez avoir votre email piraté et rien ne va se passer pendant un mois, deux mois, un an. Et puis un beau jour, quelque chose va se passer. Et ce quelque chose, ça va être l'appel à un comptable d'une grande société, d'une personne qui se fait passer pour le patron de la boîte en disant, bah, écoutez, je suis ici avec un client qui me dit qu'il a adressé une facture. D'ailleurs, j'ai tous les éléments, je vous les envoie par mail. Elle n'est toujours pas réglée, ça porte sur 250 000 euros et il y en a d'autres aussi. Veuillez faire immédiatement le paiement ou sinon le contrat que je suis en train de négocier ne passera pas. Et le comptable, sur base de ce qu'on lui envoie de l'appel téléphonique avec une voix plus ou moins maquillée, se dit, ben oui, ça colle avec l'agenda, ok, ça va, je fais le versement. Et l'argent disparaît. Et donc, voilà. Là, c'est sûr, évidemment, ce que l'on appelle les fraudes au président. Inutile de vous dire que quand les présidents des sociétés sont avisés, ils piquent peut-être une colère, mais c'est trop tard. Et bien souvent, c'est trop tard parce qu'ils n'ont pas fait prendre les mesures par rapport à tout autre piratage de mails qui a pu se passer, de mails professionnels qui a pu se passer. Et voilà à quoi on en arrive. Ce que Sébastien a évoqué avec certaines choses également, on dit attention, la personne humaine, le maillon faible. Et puis, il y a en fait des gens qui sont doublement faibles. Ou, en tout cas, pour utiliser une formule que je peux utiliser en Belgique, mais qui peut être utilisée en France également, la connerie n'a jamais été un délit pénal. Elle ne l'est pas encore. Et vous avez effectivement des gens
qui sont effectivement non seulement faibles et cons. Parce que quand vous avez des escrocs, la meilleure manière, c'est d'escroquer des faibles, mais c'est également d'utiliser des cons en leur faisant croire qu'ils sont intelligents et donc les faire agir pour vous, pour utiliser leur compte en banque et avoir effectivement tous les ennuis que les forces de police ou les magistrats pourraient en tout cas leur réserver. C'est ce que l'on appelle les mules. Alors vous avez les mules bien conscientes, qui savent quels sont les risques qu'ils doivent prendre ou qu'elles peuvent prendre et les mesurer. Et puis vous avez les inconscients, qui ne font rien, qui ont l'impression qu'ils rentrent dans un business tout à fait régulier. Et puis évidemment, ils se font effectivement plumer, c'est sur eux qu'on tombe, mais eux, leurs comptes n'ont jamais servi que de compte de passage, il n'y a plus rien, mais c'est eux qui paieront en tout cas, non seulement pour en tout cas les escrocs, voire éventuellement qui devront rembourser les victimes simplement pour en tout cas se faire un petit bénéfice. Des escroqueries en masse, vous les retrouvez, mais alors là où ça devient évidemment beaucoup plus subtil, et j'assume en tout cas l'opinion que je porte par rapport à l'un des GAFA, en l'occurrence Facebook, que tout le monde qualifie et que j'ai encore entendu qualifier aujourd'hui de réseau social. Mais Facebook, c'est pas un réseau social. À l'origine, c'était un réseau social. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un intermédiaire en publicité qui vous donne l'illusion de participer à un réseau social. Mais chaque fois que vous faites quelque chose, vous faites une action, il se rémunère. Il se rémunère à travers la publicité. Et je ne sais pas si vous avez suivi, je pense d'ailleurs qu'elle est venue en France, cette informaticienne qui travaillait en tout cas pour Facebook, qui était entendue par le Congrès américain, qui était entendue également par l'Assemblée nationale, où on vous dit, mais Facebook a développé tout un système qui fait que finalement on capte les données, on les utilise à d'autres choses, on les vend, ou en tout cas on en retire un bénéfice, on les met à disposition de qui ? Alors, de personnes peut-être respectables soit, mais d'autres personnes également. Et donc là, on rentre dans ce piège et on n'a plus des escroqueries de masse. On peut avoir des escroqueries ciblées, tout simplement parce que des messages ont été laissés sur des réseaux sociaux. Et donc automatiquement, on se fait un autre profil des futures victimes. Et ça permet évidemment à toute une série de personnes de pouvoir mieux cibler et de pouvoir également déjouer l'attention que toute personne normalement constituée devrait porter. Ces mêmes escroqueries, on les a vues sur base de ce profil-là, quand ? Eh bien l'année dernière, à l'époque du Covid, quand il n'y avait pas encore de vaccin, et donc des tas de gens se sont fait escroquer en achetant, soit, ou en ayant l'illusion d'acheter un vaccin, à la limite, c'est pas trop grave, il perd de l'argent, soit en achetant, en payant très cher, quelque chose qui ne sert à rien et qui peut être dangereux, c'était effectivement les faux vaccins. Donc vous voyez jusqu'où ça peut effectivement aller, ce système de cyberattaque ou de cybercriminalité. Il faut bien se dire que la cybercriminalité, ça n'est rien d'autre que la criminalité du début du XXe siècle, mais avec les armes d'aujourd'hui, les outils d'aujourd'hui. Des escrocs, il y en avait toujours, il y en aura toujours, ça continuera, quoi que l'on puisse faire. Alors, si vous devez retenir quelque chose, c'est, un, quand vous rentrez là-dedans, et si vous êtes suffisamment prudent, ne rentrez pas dans le piège des annonces, en tout cas, intéressantes, qui vous font miroiter des revenus potentiels énormes, parce que bien souvent, il y a un autre mécanisme et on se sert de vous pour autre chose. Et alors, l'ultime développement pour l'instant, mais je pense que en France, vous êtes beaucoup plus avancé qu'en Belgique sur ce plan-là, c'est que tous les mécanismes qui vous ont été présentés reposent toujours sur de l'argent, de l'euro, peu importe. Sauf que maintenant, tout ça se complexifie avec une autre chose, les crypto-monnaies, reconnues ou pas. Et quand on rentre effectivement dans ce système-là, et c'est un tout autre débat, il faut bien se dire que non seulement vous payez effectivement en crypto, donc vous avez dû acheter des cryptos pour pouvoir en tout cas les verser sur un compte, la transaction se passe d'une toute autre manière, l'identification du bénéficiaire de la transaction est beaucoup plus compliquée puisqu'il faut
casser en tout cas ces chaînes ou ces blockchains pour pouvoir parvenir à identifier. Et quand bien même on l'identifie, on n'est pas encore certain qu'au bon moment, on a trouvé la bonne personne. Ça, c'est l'autre volet en tout cas des cyberattaques qui se développent à travers en tout cas les cryptos, qui peuvent être aussi bien en tout cas des monnaies, fut-elle virtuelle intéressante, que d'autres pièges en tout cas à escrocs. Donc voilà, si vous devez retenir peut-être quelque chose de la quantification de la cybercriminalité, retenez qu'en Belgique c'était 61 millions que l'on a découvert, et je ne vous parle même pas, puisque je ne saurais pas vous en parler, de ce que l'on n'a pas découvert, mais ça donne en tout cas une ampleur de ce que ça représente. Voilà. Merci Émilie. Merci à Madame Cutajar pour l'invitation. Et bonjour à tous. Donc oui, moi je suis l'adjudante Valéjo. Je travaille pour la gendarmerie. Je travaille à la section de recherche de Strasbourg. C'est une unité de police judiciaire régionale qui traite surtout de la criminalité organisée, des crimes complexes. Et pour ma part, je suis enquêtrice cyber, donc spécialisée dans la cybercriminalité. Et aujourd'hui, je vais vous parler lutte contre les ransomware. Excuse-moi. Petit problème technique. Voilà, lutte contre les ransomware ou les rançons logicielles. Monsieur Verdier rappelait que c'était la menace numéro une contre les professionnels, les sociétés et les collectivités territoriales. Je pense que c'est effectivement une des menaces les plus importantes, juste après les faux ordres de virement, monsieur De Costa. Oui, donc on va parler. La gendarmerie fait des actions de prévention et de répression, et c'est ça que je suis venue vous présenter aujourd'hui. Un rançon logiciel, qu'est-ce que c'est ? Monsieur Verdier l'a déjà dit, en fait, c'est ce programme qui va être déposé sur votre machine, sur les réseaux de votre entreprise, de votre collectivité, et qui va chiffrer toutes vos données. En échange, l'attaquant va demander une rançon. Et c'est ce qu'on qualifie, nous, en termes de judiciaire, d'extorsion en mode organisé et d'atteinte au système de traitement automatisé de données. Pourquoi les professionnels sont visés et pas les particuliers ? Tout simplement parce que l'auteur privilégie l'aspect bloquant pour, espérer être payé. Il va soit cibler sa victime, la société, une grosse société, pour une grosse rançon, soit, comme un chalutier, multiplier les attaques et espérer comme ça recueillir plusieurs petites rançons. On parlait de la faille humaine tout à l'heure. Effectivement, les vecteurs d'infection, c'est soit la personne qui va effectivement cliquer sur un lien, mais c'est de plus en plus rare en fait. Soit la faille matérielle, c'est-à-dire ces systèmes qui ne sont pas mis à jour, ou comme on l'a vu là pendant la crise Covid, on appelle ça un port RDP, vous saurez ce que c'est l'accès à distance qui est donné à une machine pour faire du télétravail. Et ça a fait beaucoup de mal et ça a fait que pendant la crise du Covid, les attaques ont été démultipliées. Les attaques ont lieu surtout fin de semaine. Pourquoi ? Pour laisser le programme chiffrer tranquillement, chiffrer tous les ordinateurs du réseau. Ça prend un certain temps. Et puis pour le montant de la rançon, moi ce que j'ai vu cette année, c'est que pour les petites rançons, on était aux alentours de 15 000, 17 000 euros. Et la plus grosse rançon que j'ai vue, en tout cas, c'était 500 000 dollars. Toutes les rançons se payent en bitcoin, bien entendu. Ou en autre crypto-monnaie, quoi. Je vais vous exposer quelques chiffres. Donc, je vous disais, moi, je suis référente cybercriminalité donc pour la gendarmerie en Alsace. Et du coup, je suis amenée à connaître tous les faits alsaciens, toutes les plaintes déposées en gendarmerie. Pour 2019, on m'a signalé un fait. Pour 2020-11, et là, on est en 2021, l'année n'est pas finie. J'ai compté ce matin, on en est à 19. Donc, on voit bien que ça va doubler, en fait, par rapport à l'an dernier. C'est pas juste des statistiques alsaciennes, hein. L'ANSSI fait des rapports chaque année. Et dans son rapport de 2020, elle comptait 192 attaques contre 54 en 2019. Donc on est bien dans une augmentation significative en fait, des faits de rançon logiciel.
Ce qu'on sait également, c'est que 20% des victimes payent les rançons demandées. Alors, ce n'est pas la politique de la gendarmerie. C'est vrai qu'on leur demande de pas forcément payer, mais parfois, elles n'ont pas le choix, en fait. C'est soit elles payent, soit elles perdent leurs données, soit elles mettent la clé sous la porte. Et d'ailleurs, la gendarmerie dispose d'une cellule particulière au GIGN qui fait la négociation de rançon, qui accompagne les victimes. Elle négocie la rançon, mais pas que, elle prend aussi des renseignements qui nous sont utiles à l'identification des auteurs. Et enfin, on a essayé de calculer ce qu'on appelle, nous, le chiffre noir, avec les rapports de l'ANSSI, avec notamment les renseignements qui nous parviennent des sociétés de remédiation informatique. Et on estime qu'une victime seulement sur 267 dépose plainte. Alors pourquoi les victimes ne déposent pas plainte? J'imagine qu'elles ont peur pour leur réputation. Il y a toutes ces obligations de déclarer à la CNIL quand on nous chiffre des données ou quand on les perd, etc. J'y reviendrai après, mais pour moi, c'est vraiment une nécessité, le dépôt de plainte. Alors, je profite, il y a des futurs RSSI, il y a des RSSI, là, il y a des représentants des collectivités locales. Je profite de chaque moment pour le dire. Le dépôt de plainte, pour nous, c'est vraiment une nécessité en termes d'enquête, pour commencer l'enquête et pour avoir du renseignement criminel. Donc, je vous présente maintenant les actions que nous, on fait, en tout cas en Alsace, dans la lutte contre les rançons logicielles. Donc tout d'abord, en termes de prévention, on fait ce qu'on appelle un scan du réseau alsacien, c'est-à-dire qu'on va, scanner les vulnérabilités des réseaux alsaciens, oui, sur le territoire. Et on va essayer de mettre en garde ensuite les sociétés, les entités qui sont vulnérables. Alors comment on va faire ? Pour faire une analogie avec quelque chose que tout le monde connaît, les moteurs de recherche, vous mettez un terme dans le moteur de recherche et puis lui, il va vous sortir les pages qui sont les plus intéressantes pour vous en fonction des mots-clés de recherche. Comment il fait ? C'est parce qu'en amont, lui, il a indexé chaque mot de chaque site internet pour les mettre dans sa base, on va dire, et puis faire une recherche et vous fournir le résultat le plus pertinent. Nous, on utilise aussi un moteur de recherche qui s'appelle Shodan et qui va nous exposer nous montrer toutes les IP, en fait, de tous les réseaux qui sont visibles et qui va nous dire quels sont les services qui tournent derrière, quels sont les matériels qui sont derrière et même nous donner les vulnérabilités. Donc, nous, on fait ça. En 2021, là, on a détecté une quarantaine de vulnérabilités dans des sociétés, PME, PMI. Il y avait une mairie et deux établissements médicaux. Et ce matin, j'ai fait une recherche, mais je ne sais pas si on voit bien. J'ai fait une recherche avec Shodan. Je lui ai donné la zone géographique de l'Alsace. Et je lui ai dit, cherche-moi la vulnérabilité suivante, qui est la Fire Exchange, qui est la vulnérabilité numéro 1, selon l'ANSSI en ce moment, qui est utilisée. Et donc, j'ai détecté plusieurs résultats, dont celui-ci que je vous ai affiché. Il faudra que je contacte la société, du coup. En prévention aussi, on fait des campagnes d'information, tout ce qui est forum, etc. Et puis, M. Verdi en parlait, c'est le dispositif immunité. C'est ces questionnaires, du coup, qu'on fournit aux collectivités locales, aux maires, etc. Et qui permettent de jauger, en fait, si son réseau, si son installation informatique est fiable ou non. Et en 9 questions, donc c'est assez rapide. Et du coup, si on est dans le rouge, normalement, on peut solliciter l'action de la gendarmerie pour un audit un petit peu plus poussé. Alors malgré toute la prévention qu'on fait, il y a quand même des faits qui arrivent. Et je vais vous expliquer maintenant le parcours judiciaire du dépôt de plainte jusqu'à l'enquête en fait. Pour faire simple, la société, la collectivité territoriale dépose plainte. Le plus tôt c'est le mieux. Plus on a les renseignements vite et mieux c'est, en préservant les traces. Donc c'est-à-dire on n'éteint pas les ordinateurs pour pouvoir faire la capture de RAM. Et on garde bien les logs, etc. On débranche du réseau, tout ça. Avec tout ça, donc la victime dépose plainte. Nous, on fait des constatations sur le réseau. On les fait en présence du RSSI ou parfois il les fait, il nous donne les éléments. Et puis on arrive comme ça à identifier la famille du rançon logiciel.
On rencontre ensuite au parquet local, au parquet cyber, qui va lui, en fonction de la famille de rançon logiciel, saisir le service adéquat. Donc en termes d'identification de la famille, en fait, ce qui se passe, c'est que on va regarder comment se fait le chiffrement. On va regarder les propriétés de la souche du chiffreur, du programme qui a chiffré, par exemple. Là, par exemple, on voit, c'est un log bit. Donc le 11.bmp, en fait, c'était le fichier de la victime. Il a été chiffré, on lui a rajouté l'extension log bit dedans. Et en plus, les attaquants ont déposé un fichier qui s'appelle restoremyfile.txt. Dans ce fichier, il y a les instructions qui permettent de payer la rançon, et notamment un lien Internet qui s'ouvre sur le Darknet, et où on peut consulter cette petite note « Your file are encrypted by logbit ». Donc là, il n'y a pas de doute, c'est un logbit. Donc avec ces renseignements, on dit au parquet cyber, voilà, on a détecté un nouveau rançon logiciel, c'est un logbit. Le parquet cyber regarde qui est saisi de cette famille et l'envoie au service qui est saisi. Pour faire simple, j'arrive dans une société, c'est un rançon logiciel n'importe lequel, Dharma par exemple. Le parquet va me dire c'est un fait police, faites les constatations et transmettez. Je préserve les preuves, je transmets. Si c'est une famille que la gendarmerie a dans son portefeuille, je transmets soit au C3N, soit je le garde, en l'occurrence parce que c'est un logbit et que du coup la SR de Strasbourg est saisie sur cette famille. Donc je précise, il y a 30 familles qui sont suivies par la gendarmerie actuellement. Et en tout, je crois qu'on est à plus de 90 familles de rançon logiciel et d'enquête ouverte, du coup. En termes d'investigation, nous, on a deux façons de sortir, on appelle ça sortir, mais de résoudre, on va dire, un rançon logiciel et d'en trouver les auteurs. Il y a d'abord les investigations techniques. Donc, on va rechercher l'IP de l'attaquant. L'IP de l'envoi du mail, si c'est un mail, mais ou alors l'IP qui a permis d'introduire et de se connecter à la machine. On va aussi faire des actes plus techniques comme de la décompilation de souches, etc. Et puis, on va essayer de remonter comme ça sur l'IP qui s'est connecté. Peut-être que c'est un serveur qui est hébergé dans un pays qui est compliance et auquel cas on va pouvoir en avoir des informations. Et l'autre technique, c'est de suivre les flux financiers, c'est-à-dire quand il y a paiement de rançon, nous, on va pouvoir suivre la crypto-monnaie et essayer de voir à quel moment l'auteur convertit cette crypto-monnaie en argent, en vrai argent, en monnaie fiduciaire, et donc va les verser sur un compte bancaire. Donc voilà, ça c'était ce que j'avais à dire pour la prévention et la répression sur les rançons logicielles. Ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a une hausse des rançons logicielles, c'est un phénomène qui est actuel. Et il y a surtout un préjudice et des conséquences financières effrayantes, tant par le manque à gagner pour les sociétés, mais aussi pour tout ce qui est remis en service. Du coup, je remets une couche sur l'importance du dépôt de plainte. En plus, ça me l'avait été demandé, donc voilà. C'est vrai que, donc on a dit, il y a une personne sur 267 qui dépose plainte. Ça veut dire que potentiellement, il y a 266 faits dont on n'a pas connaissance. Et chaque attaque est différente, en fait. Ce qui fait que c'est autant de renseignements qu'on n'obtiendra pas pour résoudre notre enquête. C'est autant d'adresses IP ou de flux financiers qu'on ne suivra pas. Et c'est autant de renseignements qu'on perd dans l'identification des auteurs. Et je pense, oui, vraiment que, outre la déclaration à la CNIL et la déclaration à l'ANSSI, quand on est victime d'un rançon logiciel, c'est vraiment, il y a une obligation, pour moi, elle est simple, c'est l'obligation du citoyen. On doit tous participer à l'effort de guerre, je pense. Et donner les renseignements qu'on possède pour permettre l'identification des auteurs, ben, pour moi, c'est un devoir de citoyen. Peut-être que certains d'entre vous, enfin, je ne sais pas si on se dit ça au sein des collectivités ou pas, mais ce n'est pas inutile de déposer plainte. Maintenant, la gendarmerie, au vu des faits, etc., qui ont augmenté, on développe aussi nos techniques d'enquête. Il y a des services qui sont déjà allés en Moldavie, en Bulgarie, pour arrêter des auteurs de rançon logiciel. Il y a vraiment des choses à faire, quoi.
Et en termes de si on a peur pour la réputation, c'est pas la gendarmerie qui va communiquer dessus, ça, faut en être assuré, quoi. Voilà, j'ai fini. Merci, Elena. Alors, il nous reste 5 petites minutes. Je vais donner la parole à Sébastien pour conclure sur la table ronde. Donc on vient de voir lors de la première table ronde, et j'ai l'impression plutôt lors de la deuxième table ronde, que qui qu'on soit, on n'est pas à l'abri des cybercriminels, et en plus de ça, ça peut coûter très cher, qu'on soit un particulier ou une organisation. Il faut savoir que les cyberpirates savent s'adapter à toutes les failles, même avant qu'on en ait connaissance, qu'elles soient techniques ou humaines. Et pour faire face à de tels risques, il faut faire preuve d'une vigilance énorme. Et il faut savoir qu'au moindre doute, ben, il faut se méfier et il faut dire on risque d'être attaqué, je suis attaqué. L'autre problème, c'est si vous n'avez jamais de doute, si vous avez trop confiance en vous, ben, il est trop tard, c'est que vous êtes vulnérable et que vous avez déjà été attaqué. Hein? Donc il ne faut jamais baisser sa vigilance, il faut toujours être proactif et toujours craindre le pire. Même le meilleur des informaticiens va se faire attaquer, va se faire pirater. Des gros organismes américains qui sont soi-disant spécialistes en cyberveillance, en cyber espionnage se font attaquer et ont eu des failles aussi. Donc vigilance, quoi qu'il arrive. Et il ne faut pas oublier, je vais en mettre une couche, Elena, surtout si vous faites attaquer, appelez des experts et portez plainte auprès de la gendarmerie ou de la police. Hein, c'est ce qui va être de plus efficace, en plus de ça, des dispositifs de vigilance pour essayer de faire diminuer justement ces cyberattaques. Je vous remercie tous pour la présentation. Et je remercie les présentateurs de la première table qui étaient, je le rappelle, alors je prends le petit... Donc, Madame Cutajar qui nous a fait l'ouverture de la séance, ainsi que Rodrigue Galigny. Ensuite, Laurent Verdier qui nous a présenté les cyber-risques. Monsieur Céline Alexandre Arad, qui est le DPO de la CUS et de, enfin de l'Eurométropole et de Strasbourg. Vanessa Cornevin, qui est animatrice à Emmaüs Connect. Moi-même, bien sûr, il faut bien que je me remercie. C'est bien. Philippe de Coster, hein, qui est à la CETIF de Belgique, et Elena Valero, adjudante à la gendarmerie de Strasbourg. Et surtout, je tiens à remercier Émilie pour avoir su bien organiser les tables rondes, et ainsi que Thierry Lang pour avoir su gérer la logistique. Merci à tous pour votre venue. Merci à tous pour votre... Alors, purement administratif, merci d'abord à tous d'être venus. S'il y a des attestations de présence à signer, je suis à votre disposition. C'est surtout pour les étudiants qui viennent, doctorants et ainsi de suite. N'oubliez pas d'emmener vos bouteilles et de laisser la salle bien propre. Encore merci à tous nos intervenants. Merci au CCN pour ce partenariat. Ce fut un vrai plaisir. Au prochain. Merci Madame Cutajar pour sa confiance. Merci Monsieur Jamais, Monsieur Colonel, pour être venu. Merci aux étudiants de M. Dupont. Merci à mes auditeurs. Merci à vous. Et bonne soirée à tout le monde.